want to promote your business? Do you want to talk about your nonprofit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afric Today. Farham, you can watch us live at the same time on 4 platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afric Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.africtoday.com. Afric Today, the best of digital TV. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, où que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la. Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. En vue de performer vos compétences et intégrer l'espace de l'entrepreneuriat digital, la nouvelle Chambre de commerce nationale et la nouvelle Chambre de commerce USA-RDC, en partenariat avec Diaspo Academy, installée aux États-Unis d'Amérique, vous offrent des sessions de formation en entrepreneuriat digital à des coûts réduits. Ces formations vous permettront d'intégrer le monde numérique et améliorer vos compétences en digital au bénéfice de cette terre d'avenir et grand marché qu'est la République démocratique du Congo. Pour participer aux formations, envoyez vos contacts WhatsApp au plus 243 99 073 0795. Enregistrez-vous aujourd'hui car les places sont limitées. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. Avez-vous besoin de nourriture? Appelez le 311 et demandez le centre d'appel d'accès de nourriture. Notre centre d'appel peut vous mettre en contact avec des ressources telles que Snap qui vous aidera à payer vos courses. Vous pouvez également recevoir de la nourriture et des plats préparés d'organisation de tout le comté. Le personnel du centre d'appel parle plusieurs langues et aide les membres de la communauté en anglais, espagnol, chinois, coréen et dans d'autres langues. Pour plus d'informations, visitez notre site www.montgomerycountymd.gov/covid-19-food et vous serez informé des dernières ressources alimentaires. Encore une fois, appelez le 311 pour être connecté au centre d'appel d'accès de nourriture.
C'est dimanche. Salut madame, salut monsieur. Je m'appelle Alain Pierre et je suis très très heureux de vous retrouver ce dimanche sur Afrique Today. Bien sûr, pour ceux qui viennent de se connecter, Afrique Today, donc, c'est la chaîne de télévision digitale donc, basée aux États-Unis. Vous pouvez nous regarder en direct en même temps sur quatre plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Et bien sûr, nous sommes en direct et aujourd'hui, nous allons parler des associations africaines et nous allons savoir comment les associations africaines ont traversé l'année 2020 et commencé cette nouvelle année 2021. Et pour cela, nous allons recevoir quelqu'un que tout le monde connaît, partenaire permanent d'Afrique Today. J'ai l'honneur de recevoir ici en direct du Maryland, Coach Fofo. Salut coach, bienvenue sur Afrique Today. Salut Alain Pierre et merci de m'avoir sur votre channel. Alors coach Fofo, on n'a plus besoin de te présenter, tout le monde te connaît, présentateur de l'émission L'équipe du dimanche sur Afrique Today, président de l'organisation ESIDA. Alors, comment, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Comment ESIDA a passé l'année 2020 avant qu'on arrive à l'année 2021? Mais d'abord, je tiens à vraiment à saluer et aussi à remercier notre public, ceux qui nous regardent tous les dimanches sur Afrique Today, et puis aussi à tous ceux qui suivent ESIDA sur la chaîne multimédia d'Afrique Today. Nous sommes très ravis d'être avec toi pour vous dire bonsoir et vous dire que l'année 2020 n'a pas été très mauvaise pour ESIDA. On n'a pas été chômé. Vraiment, Dieu était avec nous et on a fait des grandes choses avec notre partenaire à la chaîne de télévision digitale Afrique Today. ESIDA a vraiment, notre organisation a pu quand même émerger, a fait beaucoup de choses vraiment dans la communauté et on était busy. Et l'année 2020 n'a pas été très mauvaise pour ESIDA. Oui, il faut rappeler que non seulement ESIDA a fait beaucoup de choses, mais le County aussi a donné des gros contrats à ESIDA. C'était très grandiose. Nous allons revenir sur cela parce qu'il faut que la communauté connaisse, lorsqu'une association travaille bien, cette association est reconnue par le county. Alors aujourd'hui, ESIDA est ici avec moi, ici en direct, et je suis là et j'ai l'honneur d'avoir ici le président de cette association, le fondateur, Coach Fofo, qui a aussi entraîné, il faut savoir, mon enfant. Mon enfant, au début, ne jouait pas le football, mais grâce à ESIDA, il est devenu l'un des meilleurs joueurs. Alors, nous allons commencer cette émission avec les projets que ESIDA a fait avec Afrique Today. Commençons d'abord avec Diaspora Grassroots Voting. Alors, Coach Fofo, je connais que tu es un homme qui n'a pas fait beaucoup de médias. Alors, comment ESIDA est arrivé à créer ce genre d'émission et pourquoi as-tu décidé d'avoir cette émission sur Afrique Today? Ben, nous savons que cette émission, d'abord, ça a été vraiment au coup de l'Esprit Saint. Et aussi, l'année 2020 a été aussi une année très importante au vu de la géopolitique, et qu'il fallait venir vraiment avec quelque chose pour apporter du changement, pour mobiliser notre communauté qui est la plus vulnérable, qui ne participe pas à rien. Malgré qu'on est aux États-Unis, on est bien dans chez soi, on est dans son coin. C'est pas mon problème que les autres vont faire pour moi, mais on avait su que l'année 2020 était une année cruciale, qu'il fallait qu'il y ait une mobilisation aussi forte pour amener un changement au niveau de la vie géopolitique des États-Unis. Donc, ESIDA est venu avec cette show qui s'appelle le Diaspora, African Diaspora Grassroots Vote, qui a émergé pour sensibiliser, aller dans les coins fonds, parler et motiver les gens, amener les gens qui connaissent comment on peut parler à une communauté pour les gens pour... Donc c'est dans ce contexte que nous avons amené cette show qui a vu
quelque chose aussi grandiose. On a reçu des tonnes de tonnes de visiteurs, de l'audience, des gens du gouvernement qui sont venus parler à notre communauté, à notre population. Et vraiment, ça a donné au bout vraiment quelque chose de succès. Et la victoire a été au bout, malgré que vraiment les gens sont sortis massivement pour aller voter, parce que on a pris du temps à travers cette show pour les informer, pour les donner les droits, pour les montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour être à jour, pour vraiment changer la tournure de comment ce pays a été conduit pendant les derniers quatre ans passés. Oui, coach, il faut accepter, il faut savoir que Diaspora Grassroots Voting, c'était une émission vraiment réussie. Alors, est-ce que tu crois qu'on va encore refaire cette émission? Parce que les élections ne sont pas finies, il y aura d'autres élections bientôt. Alors, est-ce que tu crois que cette émission va continuer? Parce qu'il faut savoir que cette émission a joué un très, très grand impact à la communauté. Je ne sais pas, il y a certains qui ont regardé, mais il faut savoir que surtout au niveau des council members et tout ce monde-là, ça a vraiment joué un très grand rôle. Mais je crois que cette émission a vraiment a donné le déclic. Ça a beaucoup changé la façon dont nos concitoyens et dans la communauté regardaient, percevaient tout ce qui est élection, tout ce qui est insertion, tout ce qui est intégration dans ce pays. Mais malgré ceux qui sont citoyens et qui ne sont pas citoyens, qui ne valorisaient pas leurs droits, mais cette émission vraiment est venue à donner une motivation et une sensibilisation. Les gens étaient prêts, parce que ceux qui ont suivi l'émission du début jusqu'à la fin étaient préparés, étaient bien, parlaient de gauche à droite. On a eu pas mal de council members, on a eu des gens au niveau de la plateforme politique qui sont venus dire des choses et qui a émergé notre communauté. Et pour répondre à la question que vous voulez de poser, bientôt, on va rentrer dans les municipales. Je crois que cette émission va revenir pour sensibiliser, parce que tous les council members auront bientôt droit à nos services pour pouvoir faire la campagne, pour pouvoir sensibiliser la communauté, pour qu'on puisse élire les conseils régionaux. Alors, merci coach Fofo, il faut accepter, il faut accepter que Diaspora Grassroots Voting, on a reçu beaucoup de personnes. Alors, coach, essayons de rappeler un peu les gens qui sont passés sur cette émission, parce que les gens peuvent croire que peut-être on s'amuse, ou alors on a eu les plus grands invités, les plus grands sénateurs qui sont passés. On a eu les maires de New York qui sont passés dans le cadre de cette émission, coach. Mais je crois que cette émission a une envergure aussi puissante que on a déplacé même le maire de Rochester, New York, Upset New York. On a eu les sénateurs, on a eu les joueurs de parti civil. On a eu, je ne peux même plus compter combien de personnes d'une tête envergure qu'on a eu sur cette émission pendant les 3 mois. Les 6 mois qu'on a vécu de juin jusqu'au mois de novembre, vraiment ça a été quelque chose de crucial, de joie pour le travail que SIDA et Afrique Touré ont abattu dans cette communauté, en motivant, en sensibilisant, à donner quelque chose aussi noble pour que les gens puissent valoriser leur droit à aller voter, et ce qu'il nous fallait, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Et vraiment, et je crois que on ne peut même plus compter le nombre des personnes. Des personnes de grande taille qui sont passées sur Afrique Today à travers cette émission pendant les 6-7 mois passés avant jusqu'à à l'arrivée des élections de 2020 passées. Oui, coach, on dit souvent que le bon travail fait aussi apporte des bons résultats, et grâce à cette émission, Afrique Today a été reconnue au niveau des county members. Et SIDA aussi a profité de sa manière. C'est ce qu'on appelle la collaboration. C'est ça, non, coach Fofo? Ben oui, la collaboration a été vraiment quelque chose d'éthique entre les deux identités. D'un côté, une association à but non lucratif qui est SIDA, et une autre entité qui est Média, qui est le porte-parole de cette communauté africaine, qui a fait tourner, a porté notre voix vers l'entrepreneur. Aujourd'hui,
tous les council members de Montgomery County, de Pidie County, de DC, Howard County, et même jusqu'à Rochester, New York, Californie, un peu partout. Les gens connaissent cette chaîne aujourd'hui grâce à cette émission qui a été à passer sur Afrique Today. Et donc aujourd'hui, Afrique Today est dans un élan qui va encore faire des grandes choses dans les jours et dans les semaines à venir. Alors, Coach Fofo, je voudrais comprendre, avant de passer à ma question, vous savez, on dit souvent que les Africains n'arrivent pas à travailler ensemble, mais ça, c'est un exemple que les Africains peuvent travailler ensemble depuis plus de 3 ans. Afrique Today et ECIDA travaillent ensemble, ils n'ont jamais eu des soucis grâce... Alors... Pourquoi cette passion avec Afrique Today, alors que dans ta vie, tu as toujours eu des mauvaises expériences avec certains d'autres Africains, mais là, aujourd'hui, tu as eu une passion et tu sacrifies même souvent ton temps pour certaines émissions sur Afrique Today. Pourquoi cette passion? Parce qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle et c'est le monde du digital. Donc, je crois que quand on est le old school ou on est le new school, on doit s'adapter à la vie actuelle aujourd'hui. Et la vie actuelle aujourd'hui, c'est le multimédia. Donc, je crois que on n'est pas venu au hasard, mais ça a été une chance formidable pour ECIDA aussi de promouvoir ses activités et d'avoir aussi dans la communauté une chaîne de télévision qui est le multimédia, qui est online, qui nous a aussi permis de faire beaucoup de choses et qui moi-même qui m'a permis de devenir journaliste. Et je présente une émission sportive sur Afrique Today. Donc, cette collaboration est venue vraiment sur des ordres de respect d'abord, de collaboration, et les deux parties reconnaissent leur droit là où on devait s'arrêter et le travail qu'on devait s'accomplir mutuellement de l'un à l'autre. C'est ce qui a fait la différence entre les autres organisations ou tous ceux qui sont venus tout à nous enduber. Mais aujourd'hui, entre ECIDA et Afrique Today, c'est une partenariat saine. Il n'y a pas de défaillance. On travaille la main dans la main, on se côtoie, on fait des choses extraordinaires ensemble. ECIDA même a permis que Afrique Today a gagné des contrats au niveau du Kanté. Donc, et en dehors de là, on continue à inviter les gens pour venir voir la passion qui anime ainsi que Afrique Today et ainsi que ECIDA, qui est quand même est dans la communauté en train d'émerger et de venir voir. Mais ceux qui vont travailler, ceux qui veulent travailler ensemble vont le faire. S'il y a du respect, si on respecte les règles qui nous associent, je crois qu'on peut toujours travailler ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas travailler, le chien aboie, la caravane passe. C'est ce que moi je peux dire ce soir. Le chien aboie, la caravane passe. Mais nous, on travaille et on va continuer à travailler. Cette 2021 nous réserve encore de bonnes choses. On va faire des grandes choses sur Afrique Today et on montrera à notre public et à la communauté que vraiment qu'on est appelé à travailler ensemble, on ira jusqu'au bout. À propos de faire des bonnes choses, je vous rappelle que ECIDA ne s'est pas arrêté là. ECIDA a fait un cadeau de plus de 50 t-shirts ECIDA avec le logo d'Afrique Today et de ECIDA en même temps. Alors vous avez l'opportunité, vous qui nous regardez actuellement, de gagner ce maillot. Nous allons vous poster ça. Il suffit de partager à 10 personnes l'émission qui passe actuellement. 10 personnes, vous nous envoyez le screenshot que vous avez partagé à 10 personnes et vous gagnez un maillot qui a été donné par ECIDA avec le logo d'Afrique Today. Celui que Coach Fofo porte, il est presque comme celui-là, mais ça a deux logos. Un logo d'ECIDA, l'autre logo d'Afrique Today, ça a été donné par ECIDA. Alors vous avez l'opportunité là de gagner cela aujourd'hui. Il suffit de partager 10 à 10 personnes, c'est très facile, cette émission, et vous allez le gagner. Vous nous envoyez le screenshot que vous avez partagé à 10 personnes et vous nous envoyez votre adresse. Nous allons vous envoyer ce maillot par poste. Alors, Coach Fofo, nous continuons donc ici sur Afrique Today. Nous parlons des résultats des associations qui travaillent très très fort, qui méritent d'avoir vraiment des très grands trophées grâce à son travail qu'elle a fait dans le Maryland. ECIDA a remporté les plus grands contrats dans le Maryland. À propos du contrat, ECIDA a remporté aussi le contrat du census. Parlons du census alors, ECIDA.
Sida a gagné un très grand contrat du Census et il est aussi venu vers Afrique Today où nous avons organisé une autre émission et Sida aussi a organisé une très très grande sensibilisation. Alors, Coach Fofo, parle-nous un peu de cela. Bah, je crois que ce que vous venez de dire, ça va dans le respect mutuel aussi du respect que le Kanté a pour Sida. Sida est dans cette communauté en train d'émerger, de faire des choses, non pas pour moi personnellement ou pour les gens qui travaillent avec moi, mais on est là pour cette communauté, on est là pour la jeunesse. On veut changer des choses dans notre communauté. On veut aller à la table où on prend des choses. Donc c'est ce qui a fait que nous avons continué à travailler la semaine et que cette contrat de census est arrivé. Quand ce contrat de census est arrivé vraiment, et c'est par respect qu'on a été, invité pour être l'ambassadeur, le représentant dans le comté de Montgomery County, spécialement dans le East County, que Sida a été choisi pour mener 6 mois de campagne de census. Et comme vous le savez, le census, c'est tous les 20 ans, c'est tous les 10 ans que ça se passe dans tous les pays pour le recensement. Et donc, on a été appelé à accompagner ce travail. Et vraiment, on a fait des grandes choses avec la mobilisation des jeunes de notre académie. On a pu toquer les portes. On a distribué les tracts. On a fait des émissions. On a invité, les gens sont venus. On a fait ça, la sensibilisation et porter dans les oreilles des gens vraiment ce que le Kanté demandait à la population, spécialement à la communauté africaine de faire. Et nous avons réussi ça et nous en sommes vraiment très fiers de notre travail que nous avons accompli. Et avec Afrique Touré, qui a été notre partenaire dans cette campagne. Et vraiment, je crois que si ça va se refaire demain, on est prêt à le faire encore. Et je dis que dès que vous travaillez bien là où vous êtes et que vous faites des bonnes choses, les bonnes choses viendront pour vous. Il n'y a pas de miracle. La vie, dans cette vie, on ne trompe jamais, on ne se trompe pas. Si vous voulez accomplir des bonnes choses, il faut bosser. Bosser avec la droiture, bosser avec la confiance, bosser en vérité et soyez franc avec des gens qui sont autour de vous et ça permet que les portes toujours là pour vous et continuer à faire de bonnes choses dans cette communauté. Wow, faire des bonnes choses dans les communautés. Et c'est ça. Et là, nous sommes en train de parler du récapitulatif de ce que Essida a fait durant l'année 2020. Ce n'est pas toutes les associations qui travaillent comme ça. À part cela, Essida aussi entraînait les enfants. Alors, Essida, Coach Fofo, comment as-tu fait durant la pandémie du COVID-19 pour que les enfants continuent à être performants dans le sport? Je crois que la pandémie était là et on a su tout fermer jusqu'au mois de mars et jusqu'au mois de juin quand les choses commençaient à aller. Donc on était là à suivre toutes les consignes du comté parce qu'on ne devait pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc il y avait les lois et les règles de CDC qui nous ont été données. Donc au mois de juin déjà, on a fait l'entrée, on a fait le retour sur le terrain avec une synthèse de 10 enfants par coach. C'est ce qu'on a fait jusqu'à traverser l'été et de l'été vers la saison de fall, de l'automne. Tout a commencé à bien commencer et les enfants sont venus beaucoup. On a eu enregistré 300 enfants de juin à novembre l'année passée. Donc, les incidents en émergence, tous les jours, on est en train de grandir. J'ai vu des enfants cette année, l'année passée, qui n'ont jamais joué au ballon, mais qui sont venus à la fin, on avait trouvé du sourire à leurs lèvres. Les familles étaient contentes. On a fait beaucoup de choses à travers nos encadrements, les jeux, les académiciens et les enfants de récréation et tous les matchs qu'on a fait. Vraiment, les 2020 a été terrible et gratuit pour nous, qu'on a pu quand même réussir des choses et nous en sommes très, très, très reconnaissants. Et nous remercions aussi à Dieu de nous avoir épargné que durant tout ce temps, on n'a pas eu aucun signe de COVID parmi nous. On n'a rien décelé et on a toujours suivre les règles. On a fait des masques, on a distribué à tous les joueurs et les familles, on a donné le hand sanitizer, on a appliqué les mesures de barrière
et on lavait les mains. Et tout ça, toutes ces choses ont été déployées, appliquées. Et vraiment, ça nous a donné la chance d'aller jusqu'au bout et de nos séances et gagner beaucoup la confiance du Kanté et faire beaucoup de choses et avec Afet Touré. Merci, faire des bonnes choses avec Afrique Today. Alors, c'est donc toujours ici Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors, l'invité du dimanche, ceux qui connaissent, une émission qui passe sur Afrique Today tous les dimanches à partir des 15h. Et vous pouvez nous regarder en même temps sur quatre plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website, bien sûr, www.afriquetoday.com. Téléchargez, bien sûr, les applications d'Afrique Today. Et vous allez nous regarder directement sur votre Smart TV. Alors aujourd'hui, je parle avec le président de cette très grande association, une association grande avec Grand G, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Elle a remporté des plus grands contrats dans le Maryland. C'est Coach Fofo qui est aujourd'hui avec moi pour faire le point de l'année 2020. Il va nous parler aussi des projets de l'année 2021. Et tout cela, ce sera juste après une pause publicitaire. À bientôt. Do you want to promote your business? Do you want to talk about your non-profit organization? Do you want to talk about your culture? Introducing the online web TV, Afrique Today. On him. You can watch us live at the same time on four platforms, Facebook, YouTube, Twitter, and using the Afrique Today app. Download our app today for Android or Apple. Promote your business today. For more information, go to www.afriquetoday.com. Afrique Today, the best of digital TV. En vue de performer vos compétences et intégrer l'espace de l'entrepreneuriat digital, la nouvelle Chambre de commerce nationale et la nouvelle Chambre de commerce USA-RDC, en partenariat avec Diaspo Academy, installée aux États-Unis d'Amérique, vous offre des sessions de formation en entrepreneuriat digital à des coûts réduits. Ces formations vous permettront d'intégrer le monde numérique et améliorer vos compétences en digital au bénéfice de cette terre d'avenir et grand marché qu'est la République démocratique du Congo. Pour participer aux formations, envoyez vos contacts WhatsApp au plus 243 99 073 0795. Enregistrez-vous aujourd'hui car les places sont limitées. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital. L'entrepreneuriat digital vous intéresse-t-il ? Vous voulez apprendre à construire des projets digitaux ? Aimeriez-vous gagner des revenus passifs conséquents en tout lieu ? Voici la plateforme des professionnels du digital, la Diaspo Academy. Ici, vous retrouverez les meilleurs professionnels de la diasporama mondiale connectés sur notre plateforme. Vous allez pouvoir acquérir des formations adéquates qui feront de vous des entrepreneurs digitaux compétents. Étudiants, entrepreneurs, coachs, instructeurs et entreprises, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Elle vous offre la possibilité de suivre votre formation en mode virtuel à partir de chez vous, où que vous soyez sur la planète. Toutes nos formations disponibles en ligne sont dispensées de manière interactive. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez les suivre depuis chez vous. Au cours de la formation, vous passerez des quiz et examens selon votre parcours. En outre, à partir de votre tableau de bord, vous suivrez vos performances et progressions. Vous pourrez aussi communiquer avec vos instructeurs et recevoir des notifications. À la fin de votre parcours de formation, vous recevrez un certificat Diaspo Academy Certified. Que vous soyez débutant ou responsable d'entreprise, Diaspo Academy est une opportunité pour vous. Saisissez-la. Enfin, que vous soyez coach ou instructeur, ayez accès à un millier d'étudiants à travers notre plateforme. Merci de choisir Diaspo Academy, le meilleur choix. Pour plus d'informations, allez sur www.diaspoacademy.com. Diaspo Academy, la plateforme des professionnels du digital.
Donc ici sur Afrique Today, donc c'est toujours l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches à partir des 15h exactement, heure de Washington, d'ici sur Afrique Today. Et vous pouvez nous regarder en direct sur 4 plateformes. Alors je suis toujours en direct là avec Coach Fofo. Coach Fofo, qui est le président de ECIDA, cette association qui fait beaucoup de choses pour la communauté africaine et dans le Maryland. Et il est actuellement avec moi en direct depuis le Maryland. Salut coach et bienvenue encore sur cette deuxième partie ici sur Afrique Today. Merci Alain-Pierre pour me redonner cette place. Alors, on parlait là de l'année 2020 avec ECIDA, on parlait des projets, on a parlé de diaspora, grassroots voting, on a parlé du census, de ce très grand projet que le Canty vous a donné d'organiser dans le Maryland. Du grab and go. Et c'est de là où je viens. Et là maintenant, nous allons parler de l'un des plus grands projets qui a mené ECIDA à un autre level, le Grab and Go. Parle un peu de cela, Cocho. Non, mais avant que tu parles de ce projet-là, j'ai envie de montrer quelque chose aux gens. On avait fait un breaking news et on va revoir ce breaking news. On écoute ce que tu as dit lors de ce breaking news. À bientôt. All right, welcome back again on Africa Today. I'm now joined by Coach Fofo from ECIDA. Coach Fofo, how's everything going? We are so great. It's fantastic this morning. And we have a lot of people coming here, and we're so grateful to do what ECIDA is in a collaboration with the American Diversity Group to do for our community. Okay, so why is it important for ECIDA to join forces with American Diversity in this time? We know in life we need a collaboration, and especially to come back to our community who don't have that kind of resource, and they have it, and we come together to serve. So that's why we got a partnership. So we are here not just to see that, but also have a chance to work with some other organizations to make sure we have a lot of resources in our community so people have what they need through ECIDA and some other organizations. Okay. All right. Thank you very much. Alors, donc, on vient de voir, là c'était lors l'une des distributions de nourriture et ça s'est très bien passé et c'était en collaboration avec d'autres organisations. Il faut avouer que lors des Grab and Go, tous les samedis, avec ECIDA, Afrique Today a installé un studio portable dans le Maryland et on était en direct avec bien sûr Coach Fofo qui fait presque tout, il s'est transformé en journaliste. Parle un peu de ça, coach. Ça a été vraiment quelque chose où pendant où les gens souffraient, pendant où les gens ont perdu leur emploi, pendant où le Covid fuyait, pendant où la maladie était là, les gens avaient peur, où on ne savait pas où la tête et les gens avaient dit, mais le Kanye est venu voir comment distribuer la nourriture. Et beaucoup n'avaient pas de ces informations. C'est de là que ECIDA et Afrique Today sont venus en collaboration pour parler de cette distribution de nourriture qui s'appelle le Grab and Go. Tous les samedis matins de 10h à 1h de l'après-midi, on était là à diffuser tous les coins où ça se passait. On est là pour couvrir et montrer à la population que nous sommes ici, nous sommes dans cet endroit. Venez chercher de la nourriture et les gens nous voyaient et couraient. Ils venaient de rester. Ça va et rentrer parce que, et on peut dire qu'on avait apporté quelque chose. Vraiment, Alain Pierre, c'était formidable. La disposition de Afrique Today, la disponibilité de donner chaque centre, de parler du Grab and Go. Et quand même, les gens n'étaient pas informés, mais on était là, on faisait le live. Et beaucoup, vous voyez, et venaient chercher de la nourriture. Et ça a été une réussite. Ça a été vraiment une réussite très, très, très pertinente que, malgré qu'il n'y avait pas
la nourriture. Les gens avaient perdu leur travail, mais nous, on était là. On était à la guerre. C'est comme si on était à la guerre. On était sur le champ de la guerre. On cherchait à mobiliser notre communauté, à leur montrer là où nous sommes, là où on distribuait la nourriture, pour leur donner quelque chose à manger. Et vraiment, nous avons réussi à sortir beaucoup, beaucoup de nombres pour venir chercher de la nourriture. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui à le faire parce que c'est un besoin qui est dans notre communauté. Et il faut qu'il y ait des gens qui le font. Et on a été choisis, on s'est porté volontaire. Et ce que nous faisons, c'est ça qui a fait le nom, qui fait la différence entre ESIDA et les autres organisations. Eh oui, à part cela, grâce à cela, non seulement ESIDA a réussi un prix, mais ESIDA a fait en sorte que, grâce à cette collaboration, que Afrique Today gagne aussi un prix de la part de EEG. Parle-nous un peu de ça. Afrique Today a reçu une très grande proclamation du Montgomery County. Ben, le EEG est une council qui représente les Africains au niveau du council de Montgomery County. Et donc, chaque année, pour le Black Monster Month, il faut qu'ils choisissent quelqu'un qui émerge dans la communauté en tant qu'Africain. Et tout ça, ils ont suivi notre début du mois de mars jusqu'à la fin de l'année, tout ce que Afrique Today et ESIDA ont fait, qui a donné cette chance que Afrique Today, à l'intérieur, a été choisi pour pouvoir ce prix noble et qui représente vraiment le meilleur entreprise de l'année 2020 dans la communauté africaine. Et vraiment, vous méritez ça. Parce que votre travail que vous avez abattu l'année passée, vous continuez de abattre, vous donne l'opportunité et le privilège de recevoir ce prix que le Kanté Executive même a signé et pour vous donner, pour vous promouvoir et dire que Afrique Today, elle a été le numéro 1 dans la Kanté de Montgomery County en Digital TV. Ouais, ça fait toujours plaisir de recevoir les prix. Il faut savoir que ESIDA a aussi beaucoup collaboré à cela. Et ça fait partie de la collaboration. Il faut dire en sorte que parfois on vous pousse, vous avancez, et parfois vous poussez, d'autres avancent. Donc c'est un peu ça la collaboration. Donc ça, c'est un exemple qu'on veut donner à toute la communauté qui regarde actuellement cette association qui a déjà atteint un autre niveau. Alors aujourd'hui, ESIDA participe à beaucoup d'autres choses. Alors, coach, on va parler de cela un peu plus tard, mais il faut savoir par exemple que lorsque vous entraîniez les gens, et lorsque mon fils venait aussi à l'entraînement, il y avait un autre programme qui donnait les leçons, je crois, de langue aux enfants. Parle-nous un peu de ça. Oui, je crois que notre slogan, c'est plus que le foot. C'est plus que le foot. Donc, it's more than just soccer. Et Sida ne voit pas que le côté pratique de football ou de sport, mais nous aussi, nous engageons, nous encadrons aussi nos élèves, nos joueurs, pas de programme éducatif. On enseigne le français, on enseigne le SAT preparation, on enseigne l'entrepreneuriat, on enseigne tout ce qui est le code civique. On engage les enfants tous les lundis à être sur le Zoom pour pouvoir apporter aux enfants. Donc, c'est la grande échéance de ESIDA. Nous ne venons pas seulement taper dans le ballon comme d'autres le croient, mais nous donnons une direction à nos élèves parce que nous voulons qu'à travers le foot, qu'ils puissent aller dans l'université. Et pour arriver à aller dans l'université, il faut commencer par quelque chose, et c'est là que tous les programmes éducatifs qui est dans nos assiettes aujourd'hui continuent à grandir, et beaucoup de compagnies, beaucoup de fondations aujourd'hui voient ce que nous faisons et ils viennent maintenant vers nous pour nous donner de l'argent pour continuer à élargir. Alain, je ne veux pas te dire que cette année 2021, on va être débordé parce que on a beaucoup de demandes de gauche à droite pour pouvoir travailler avec d'autres organisations, pour travailler avec d'autres fondations. Et il y a des fondations qui nous convient, qui nous demandent à faire des choses parce qu'ils ont confiance, ils ont vu tout ce que nous avons fait dans le passé et ils savent qu'on peut le faire. Et c'est ça la différence entre ESIDA et les autres organisations. Et il faut savoir que la communication a joué un très grand rôle dans ce que vous faites. On dit à tout le monde de communiquer. ESIDA a travaillé de
très droit avec Afrique Today pour communiquer, pour montrer au Council Member de quoi ils sont capables. Alors, Coach Fofo, avant de je vais poser la question, mais on va d'abord regarder un autre reportage d'Afrique Today. Il faut savoir qu'Afrique Today suit vraiment de très près ce que Essida fait dans notre collaboration. Alors, vous êtes notre partenaire, donc là où est-ce Ok, donc, Essida, pour terminer en beauté, on vient de parler des enfants, on vient de parler de l'éducation des enfants. Donc, pour terminer donc, en beauté sa saison de avec ses enfants, Essida a organisé un banquet où il a invité beaucoup des invités. Il a invité des grandes personnalités, des council members, des députés de Maryland. Beaucoup de gens étaient là. On va regarder ce reportage d'Afrique Today et on revient tout à l'heure juste après ce reportage. Hello, this is Clara Ekeke. I'm reporting from Silver Spring on Afrique Today. And we are here at the 9th annual banquet for Essida, which is a local organization that supports the immigrant youth through soccer. But it is more than soccer, as you will hear from our guest and the founder himself, Coach Fofo, and some of the coaches and parents. Thank you very much. I'm very excited to be here today and to be a part of history. Today is our 9th annual award banquet. Yeah. We need Essida to do that. So I'm honored now to present citation on behalf of the Montgomery County Council to the players today to recognize your achievements. We feel it's a pressure. Now is it the pressure goal, but we feel better. It was nice, yeah. All right, thank you all so very much for tuning in into Afrique Today. I was your host, rather, Clara Ekeke, reporting here from the Essida 9th Annual Banquet in Silver Spring. Alors, coach Fofo, on vient de regarder là, un très bon reportage de Clara et Keke qui a fait du très très beau boulot lors de ces banquettes. Alors, malgré le Covid, Essida a invité les grandes personnalités du Maryland qui sont venues participer à un banquet que tu organises toutes les années pour les enfants. Alors, parle-nous de cet événement. Mais je crois que la volonté, malgré le COVID, malgré toutes ces barrières de mesures de COVID-19, et nous avons pu quand même dégager le temps d'organiser quelque chose aussi simple, noble, pour 3-4 mois de temps, où vraiment il fallait fêter les enfants. Il fallait fêter notre 9e anniversaire et ces enfants qui se sont donnés, qui ont pris des risques énormes pendant le COVID, mais qui sont à l'entraînement tous les jours pour vouloir s'entraîner. Et les parents qui ont vraiment cru en nous, qui accompagnaient les enfants, allez, il fallait le faire. Et vraiment, et cette pression nous a tellement transcendés qu'on a pu mettre quelque chose en place. Et Dieu était de notre côté, le grand jour était formidable. Vraiment, c'est le même jour que l'élection a été gagnée aussi. Donc, ça a été vraiment merveilleux de voir cette soleil qui est sorti de jour-là. Les enfants qui sont là, joyeux, contents, les parents qui sont assis par terre. Pour certaines, pour la première fois, voyaient ce que Essida faisait. Et ça a été quelque chose qui les a marqués. Et pour finir, tous nos council members étaient là contents parce qu'ils croient toujours à Essida, ils croient tout ce que nous faisons. Et quand nous dégageons la force, on fait du mal. Quand nous dégageons la force, on fait trop de mal en présentant les valeurs de ce que nous savons faire. Et vraiment, finir la saison en beauté et célébrer les enfants a été vraiment un succès que nous ne savons pas décrire. Et vous étiez là, vous nous avez accompagnés et vraiment, nous sommes très contents d'avoir passé ce moment avec ces enfants qui pour la première fois ont gagné des trophées. Pour certaines personnes qui n'ont jamais attrapé un trophée,
mais SIDA est là pour faire la différence dans la communauté. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire et nous irons jusqu'au bout. Alors, on tire déjà vers la fin de ce programme. Alors, 2021 est arrivé. Nous avons parlé presque... on a laissé d'autres projets parce qu'il y a tellement eu des choses. On a montré les meilleurs. Et SIDA a gagné des prix. Vous avez même reçu un award du consul. Parle un peu de cet award avant que je pose ma question. Cet award, c'est une award qui m'a été donnée par l'excellence, par le travail que nous abattons, pas moi, mais que toute mon équipe, tous ceux qui sont derrière moi, qui travaillent avec moi jour et nuit, cette prime a été donnée parce que le cantier nous a prouvé qu'il ne va pas nous laisser, qu'il est derrière nous. Mais même malgré que les mauvaises personnes ont pu nous tenir pour vouloir aller nous casser ou bien dire des mauvaises choses, le cantier nous a promis qu'il est là, qu'il sera avec nous dans la nuit ou dans le jour, qu'il va toujours nous accompagner. Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Et ce prix, on l'a reçu. Et vraiment, ça fait plaisir d'être récompensé par ses efforts. Alain, je le conseille à beaucoup de gens. D'être récompensé par ses efforts. Quand tu es récompensé par les efforts que tu finis, vraiment, ça prouve que tu n'es pas un tricheur, que tu es un gars honnête et tu ne travailles pas pour toi, mais tu travailles pour les autres. Et c'est ça. C'est ça, il faut travailler pour mériter cela et tout le monde est content, tout le monde est fier de ce que ESIDA a fait pour la communauté en 2020 et nous parlons là de 2020. Maintenant, 2021 est arrivé, nous sommes encore en janvier. Quels sont les projets d'ESIDA en 2021? Ben 2021 s'annonce très bien, formidable, ça annonce avec de la joie, déjà avec un changement d'équipe. Et nous avons pu injecter de nouveaux sang dans notre équipe et pour pouvoir, parce que le travail continue à augmenter tous les jours et il fallait amener d'autres personnes ou aussi travailler dans et pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant. Donc c'est ce que nous avons finalement fait. J'ai vu encore élargir mon équipe et amener de nouvelles personnes pour occuper d'autres postes et nous avons des programmes déjà qui ont continué. Qui va commencer d'ici le 25 de ce mois, qu'on lance un programme d'entrepreneuriat, de groupe entrepreneuriat, parce que SIDA est décidé d'aller apporter le digital dans notre communauté. Donc, nous allons donner des cours de coding, nous allons donner des cours de montage de website, nous allons donner comment présenter un résumé, comment monter un résumé et comment monter son entreprise. Donc, nous allons monter toutes ces choses à la jeunesse de 12 ans jusqu'à 20 ans. Qui sont dans notre communauté. Et ce programme qui va commencer le 25 janvier, dans deux semaines. Et ça, l'une des premiers projets que ESIDA commence cette année avec l'année 2021. Et en au mois de mars, nous allons rentrer dans notre saison footballistique. Donc, nous serons dans une saison de 5 ans où nous invitons les enfants vont retrouver sur le terrain et vont retrouver leur coach. Et les parents vont sortir et nous allons continuer à travailler pour que les enfants puissent être prêts pour aller se compléter et aller bien simplement. Nous avons deux programmes qui arrivent bientôt en collaboration de Afrique TV et que nous allons commencer d'ici à la fin du mois de janvier. Et que je ne sais pas encore, il y a beaucoup de choses. On est tellement sollicité pour pouvoir des choses, de devoir encore chercher des gens pour pouvoir venir travailler, m'aider, aller de l'avant. Donc, grosso modo, l'année 2021 s'annonce très bien pour ça et nous avons de bons projets dans la main et nous allons continuer à prier et avoir votre collaboration à travailler avec nous pour que cette année soit vraiment plus meilleure que la 2020 qui vient de passer. Alors, ces formations digitales qui s'annoncent, c'est pour les jeunes et comment ils vont se passer? Ils vont se passer sur Zoom, sur Teams, sur comment ils vont se passer? Ces classes vont passer sur le Zoom tous les lundis, donc pour une heure de temps, et on doit accompagner 150 enfants pour ce projet de janvier jusqu'au mois de juin. Donc, qui finance ça? C'est le FESIS, c'est une organisation qui s'appelle le FESIS, qui nous a donné de l'argent pour financer ce programme d'accompagner 150 enfants dans le monde digital et le monde de l'entrepreneuriat. Vous voyez, le bon travail ici ne fait que gagner des projets. Travaillez, vous voyez, ici ne fait que gagner des gros contrats.
Travailler, c'est le travail qui est la force de la réussite. Alors, et ce projet, ces formations, ils vont durer combien de temps? Ce programme a duré 6 mois. Donc, de janvier jusqu'au fin juin, nous allons accompagner ces enfants dans le monde digital, de l'entrepreneuriat et la création d'emplois et comment monter les résumés. Et donc, déjà le 25 janvier du mois, ce programme commence. Vous allez sur le www.esida.org, vous allez sur le programme, vous allez trouver déjà comment t'arriver. Et c'est gratuit. C'est gratuit, cette formation, parce que nous sommes dans le monde digital et nous voulons vraiment déjà à base commencer à accompagner les enfants pour qu'ils puissent être compétitifs sur le marché du travail dans les années à venir. Donc, ce sont les cours de coding et ce sont des cours de trucs pour des enfants. Et, oui. Et quels sont les âges des enfants qui puissent participer à cette formation? C'est à partir de 12 ans jusqu'au moins à l'âge de 20 ans. Donc, les enfants qui ont 12 ans peuvent s'inscrire et jusqu'au middle school, jusqu'au high school. Ces enfants sont vraiment accessibles à s'inscrire gratuitement pour passer ces cours qui vont durer 6 mois du côté de l'ECIDA. Et en même temps, quand la saison de football va commencer, ils seront sur les classes. Donc, ce sera vraiment un programme complet du sport et de l'éducation. Donc, nous ne serons pas tous, nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Nous venons de gagner aussi un contrat pour aussi accompagner les enfants qui ont les problèmes de neuro, les enfants qui ont des problèmes de l'autisme, de EDD, de Down syndrome. Une autre fondation vient nous donner de l'argent pour accompagner ces enfants à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin pour qu'ils viennent s'entraîner 2 fois par semaine. C'est les enfants de 4, 5, 6 ans. Tu connais le groupe de Dribblers. Donc, et cette organisation vient nous donner de l'argent pour élargir ce programme, pas que à Silver Spring, mais dans les autres quartiers à voisinage de canton de Montgomery County. Je comprends maintenant pourquoi Monsieur le Président décide à encore recruter des gens, parce qu'il y a tellement du travail, donc c'est normal de recruter encore des gens, et c'est bien pour tout ce que ECIDA a fait pour la communauté. Moi-même encore, comme j'ai toujours encouragé ce que ECIDA a fait, je vais voir avec mon fils du middle school pour qu'il vienne aussi s'enregistrer pour prendre les cours de coding en ligne, malgré que moi-même je suis un programmeur, mais je n'ai pas le temps de montrer ça. donc c'est gratuit, donc vous pouvez aussi aller dans le site ECIDA et enregistrer votre enfant, et donc c'est gratuit, donc voilà. Donc ça commence le 25 janvier, ce sont les dates. Alors, coach Fofo, à part, on tire déjà là vers la fin. Donc, à part ces programmes-là qu'on vient de citer, on a parlé de programmes sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le Maryland. Quel est encore l'autre projet, les autres projets que vous avez, ou alors ces projets sont encore secrets pour des gens? Ben, on a un grand projet qui va déboucher en été. C'est que ECIDA aujourd'hui en train de signer un grand partenariat avec le football FNAMF de la France. Donc, d'ici quelques mois, nous aurons aussi tout va bien avec le Covid. Nous aurons les invités de la table technique de FNAMF qui vont nous visiter ici à Washington, à Maryland, pour pouvoir voir notre installation et voir tout ce que nous faisons ici. Et à partir du mois de juin, et nous avons déjà commencé à accompagner les enfants de 16 ans jusqu'à 18 ans pour aller faire des formations. Et nous entraînons aussi, nous irons en préparation là-bas pour apprendre de nouvelles méthodes d'entraînement. Donc, que je dis que ECIDA a beaucoup de programmes et ça, l'une des que je suis en train de dévoiler. Et pour finir, nous avons un enfant que nous avons envoyé en Suisse il y a 4 ans, vient d'être sélectionné dans l'équipe nationale de moins de 15 ans de la Suisse, du nom de Issoufa Touré. Donc, ça donne encore une fierté de tout ce que l'ECIDA fait. Et cet enfant vient d'avoir 14 ans, mais vient d'être sélectionné en équipe nationale de la Suisse pour le moins de 15 ans. Et il a été un produit pur de l'ECIDA.
Waouh, c'est vraiment bien. Alors, coach Fofo, dans le Maryland, rien que dans le Maryland, ça sera ma dernière question parce que nous sommes déjà à la fin de ce. Le temps file vite, hein, coach Ah Fofo. Nous oui. sommes déjà à la fin de cette émission. Ma dernière question est la suivante. Il y a tellement d'associations dans le Maryland à but non lucratif. Non. Avant de poser ma dernière, je me suis rappelé, peut-être c'est encore secret, tu participes aussi à un nouveau projet, peut-être qui va dans le sens des francophones. Peut-être ce n'est pas le moment de le parler ou encore c'est dans le secret. Non, c'est pas, on peut en parler. Je crois qu'on vient d'instituer une nouvelle association qui s'appelle le Francophone African Alliance. Donc, un genre d'association qui va être informatif, qui va représenter notre communauté et donner plus d'informations à travers Afrique Today et Francophone African Alliance. Ça va être une collaboration parce que nous voulons en parler, nous voulons donner la force à notre communauté et cette association vient de voir le jour. Et ils vont commencer déjà dans quelques semaines des projets et ils auront des projets d'éducation, de santé, du civisme, d'entrepreneuriat, de référence En entre tout cas, je vais inviter, les fondateurs, je vais dire les membres. les membres de cette association sur Afrique Today pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent nous parler en détail de cette organisation des francophones, une première dans le Maryland. Donc, Ouais. Il y a des associations des Éthiopiens, il y a des associations des Espagnols, mais il n'y a pas des associations des Africains francophones, puisqu'on ne peut pas faire d'autres associations, étant donné que l'une des langues que les Africains parlent, c'est le français. On est obligé de s'aligner, on n'a pas une langue africaine. Donc, c'est pour cela qu'on a créé cette association des francophones parce qu'elle est écoutée par la majorité des Africains Non, qui parlent le français. même pas ça. Au niveau de Kanté aujourd'hui, il y a les choses qui sortent et qui n'est pas dans le qui n'est pas traduit en français. Et notre communauté manque de communication. Donc, nous avons décidé que nous aussi nous devons aller vers le Kanté pour pouvoir recevoir les informations en français et donner à notre communauté parce que notre communauté a été laissée de côté depuis des années parce que pas l'information. Et l'information vient en amharique, en anglais, en espagnol et en d'autres langues, mais pas en français. Donc, pas le travail que SIDA a accompli au niveau du Kanté. Et sachant qu'il y a beaucoup de francophones qui est autour de SIDA, on a décidé que cette association qui venait d'être montée travaille en collaboration avec le Kanté et représente ses membres au niveau du Kanté de Montgomery-Canty pour avoir tout ce qui est en test de santé, d'immigration, de l'école, de toutes choses que nous voyons aussi, que ce soit aussi en français, pour que nos gens qui ne parlent pas bien l'anglais puissent aussi être à la statue et être au guet de tout ce qui se passe dans le Kanté. Beaucoup de projets, on en parlera ici sur Afrique Today, bien sûr. Suivez beaucoup Afrique Today, vous serez informés de ce qui se passe dans le country. Parce qu'on est connecté avec Essida qui a toutes les informations. Essida est connecté avec le country, Essida nous apporte toutes les informations. C'est ça le partenariat, c'est un partenariat qui dure déjà depuis très très longtemps. Et là, ce coach Fofo, ma dernière question était la suivante. Aujourd'hui, ton association est l'association, je peux dire, la plus puissante africaine francophone, la plus puissante dans le Maryland. Quel est ton conseil à d'autres associations, alors qu'il existe plusieurs autres associations dans le Maryland qui sont seulement des associations de nom. J'en connais beaucoup. Donc, quel est le conseil qu'il faut leur donner à nos Africains pour qu'ils atteignent au moins le niveau des SIDA? Le conseil, c'est très simple, c'est de savoir ce que vous faites et d'essayer de le faire mieux. L'une n'est pas faite, mais quand vous avez des goals, des ambitions à atteindre, des objectifs à atteindre, je crois qu'il faut rester dans cette alignée, travailler dur, essayer d'être honnête avec vous, je le dis encore, essayer d'être honnête avec vous-même et honnête avec les gens qui sont autour de vous. Et quand vous avez créé cette infrastructure et que le travail se suit, que le succès est au bout et on n'est pas encore au succès, mais nous croyons que nous arrivons graduellement à ce succès qui fait la différence
entre nous et les autres associations. Donc, de ne pas être papillé, de ne pas savoir chercher de toucher tout, de focus, de mettre ses intentions sur quelque chose qu'on aime, qu'il y a cette passion qui vous anime. Si vous avez de la passion, en fait, vous allez toujours réussir. Donc, c'est ce conseil que je voulais partager avec tous ceux qui me voient courir de gauche à droite, dit que le type n'est pas. Non, on n'est pas fou. On n'aimait pas cette passion qui veut nous donner la chance de servir les autres, de servir les enfants, de servir notre communauté. Et c'est ça qui fait la différence entre ESIDA et les autres organisations. Donc, cet conseil, tenez-les, ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter dans les semaines à venir. Tout ce que vous allez faire dans la vie, faites-le avec le cœur. Et il y aura de la réussite au bout. Il y aura la réussite au bout. Donc n'oubliez pas notre jeu concours que nous avons lancé durant cette émission. Partagez cette vidéo à 10 personnes et vous allez gagner des maillots d'ESIDA que ESIDA a offert à Afrique Today avec le logo d'ESIDA et le logo d'Afrique Today. Nous allons vous envoyer ces maillots par poste si vous nous envoyez le screenshot que vous avez partagé cette vidéo à 10 personnes. C'est très simple. Je sais que personne ne va le faire, mais on vous propose quand même de le faire. Alors, aujourd'hui, j'étais donc ici avec Coach Fofo qui est le président fondateur d'ESIDA, une association qui monte très très fort aujourd'hui dans le Biriba. Bientôt, pour parler avec Coach Fofo, il faudra remplir des formalités parce qu'il devient hyper busy avec tous les contrats. Donc il n'y a pas de ça. Ça compte beaucoup. Et on a toujours ouvert pour n'importe quel service. Il s'agit de la nourriture, s'il s'agit pour vos enfants, s'il s'agit pour l'éducation, s'il s'agit pour aider ou tout ce qu'on peut faire. Si on a le temps, on va toujours aider les autres. Donc, il n'y aura pas à remplir. Ok, c'est une passion pour Coach Fofo. Coach Fofo aime vraiment aider les gens. Sans vous mentir, c'est un garçon hyper large. Vous l'appelez, il va vous aider, surtout pour la nourriture. Il a proposé la nourriture aux autres, Grappe & Gros. Son association a organisé des trucs, mais malheureusement, on a même oublié de parler les jouets de Noël. Les jouets de Noël qu'il a distribués, la distribution des jouets de Noël. Malheureusement, ce sont les Espagnols qui sont venus chercher les jouets de Noël. Participez et soyez informés des activités que ESIDA organise pour l'association, pour la communauté africaine. Donc, bien sûr, c'est toujours l'invité du dimanche. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, sur Afrique Today, on aura un invité très, très spécial qui s'appelle John Kawa Kavia Vu, qui est un expert dans le monde du digital. Il est le directeur chargé des portefeuilles, des prêts, crédits, des petites et moyennes entreprises dans une structure financière dans la région métropolitaine de Washington DC. Il viendra ici dans l'invité du dimanche nous parler comment financer son entreprise digitale. Ce sera donc dimanche prochain à 15h exactement ici sur Afrique Today. Et tout à l'heure, juste après cette émission, toujours un cadeau pour Coach Fofo. Vous allez regarder l'une des meilleures émissions présentées par Coach Fofo, l'équipe du dimanche. Ce sera juste tout de suite après cette émission. Donc, restez connectés sur Afrique Today. Ne nous quittez pas. Merci Coach Fofo d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Alain Pierre et merci vraiment de nous donner la chance de se montrer à notre public et à notre communauté. Merci pour tout ce que vous faites pour ESIDA et notre communauté. Vraiment, vous avez encore des prix à gagner, c'est pour le 2021. Merci Coach Fofo et merci à ceux qui se sont connectés sur Afrique Today. Donc, c'était donc l'invité du dimanche. Restez connectés et tout de suite, juste après cette émission, je m'appelle Alain Pierre et vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes. Restez connectés avec Coach Fofo tout à l'heure. L'une des meilleures émissions de Coach Fofo, l'équipe du dimanche. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao, bye.
that fella down. Parle, vas-y, coach. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans l'émission, bienvenue sur Afrique Today, dans l'émission de l'équipe du dimanche présentée par coach Fofo. Ce soir, nous avons la chance de recevoir un grand nom de Akwete Wilson, Jacob dit Télé Santana, appelé par les intimes. Monsieur Santana a été un grand nom du sport. Et de la jeunesse togolaise, spécialement dans le quartier de Blenigato, à Civito, à Daulato, où depuis son âge, jeune âge, a pu s'organiser la jeunesse par le football et aussi organiser ses amis par diverses choses. Il a été dans le handball, il a été dans le football, il a été vraiment un multisport de personnes et il a aussi apporté à beaucoup de jeunes, en tant que moi et d'autres personnes aujourd'hui, vraiment dispersé dans en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. Monsieur Wilson Akwete, bienvenue dans notre émission, l'équipe du dimanche présentée par Coach Fofo. Bonsoir, Monsieur Akwete. Bonsoir. Merci, mon cher frère. Et Coach Fofo, tu me fais un grand honneur en m'invitant ce soir à me faire comprendre encore plus dans le monde ou bien dans le monde du football. Comme tu le sais, et depuis, je suis issu d'une famille de footballeurs, de handballeurs, de basketteurs, en un mot, de sportifs. À travers mon cher papa, à qui j'aurai un grand honneur ce soir, M. Baron Wilson Tevi Elias, qui a été un grand passionné du sport en général et dans le football en particulier. Monsieur Wilson, oui. Nos auditeurs aimeraient connaître. Qui est Akwete Wilson dit Télé Santana? Ah, Akwete Wilson, je veux dire Akwete ou bien Akwete simplement, comme communément vous m'appelez. Et je suis né en 1958 et à Lomé. Et j'ai démarré comme tous les jeunes du quartier, Beniglato, Adaurato, étant jeune, on pratiquait le football depuis le bas âge. Et je pourrais dire que ce qui m'a aidé dans ce domaine, c'est-à-dire que j'ai eu à pratiquer le football avec quelques grands noms qui ont émaillé de notre quartier. Donc, j'ai vraiment commencé le sport, à pratiquer le sport à partir du collège. Après le bas âge, avec les noms que je peux citer, les Dinké Oiseaux, les Toutouville, les Bébéville, les Anani Adé et Adil et tout ça, il y a eu beaucoup dans le quartier avec qui j'ai commencé. Mais c'est à partir du collège que j'ai vraiment commencé à pratiquer ce sport. J'ai fait le handball, j'ai fait le basket et le foot. Le foot étant le sport le plus populaire, et finalement, on a opté pour le sport de foot. En principe, au niveau du quartier, il fut un moment où il fallait former des équipes que le ministère togolais d'espoir a instauré, et des jeunes qui pouvaient permettre aux équipes de première division, de deuxième division, d'avoir des pépinières au niveau des quartiers. C'est ainsi que dans les années 92, j'ai commencé. Monsieur Wilson, yes. Vous avez joué beaucoup de rôles dans la vie de nombreux jeunes garçons à Beniglato. Oui. Pourrez-vous nous en parler un peu? Oui, en sorte, c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Avant moi, il y a eu quelques personnes qui avaient formé des équipes pour des jeunes, des pépinières. Et il y avait un certain Poisson, Gérard, et deux autres. Et une année après, je me suis dit, il faut que je fasse ça aussi, il faut que moi aussi je m'y mette. Et j'ai ramassé certains jeunes dont vous en faisiez partie, surtout toi, Fofo, mon fils.
Et avec vos camarades, on a formé le Bayern Football Club. Une année après, et tout le quartier, les autres équipes, les jeunes des autres équipes sont venus nous rejoindre. Ce qui fait que j'ai eu à former des Benjamins, des Minimes et des Cadets. On a démarré ainsi, comme ça. Donc, pour gérer ça, il faut dire que je n'avais pas de soutien, je n'avais pas de sous. Comme vous le connaissez, vous le savez, je n'avais pas immensement de moyens. De moyens pour continuer. Mais je me suis dit, il fallait que je réussisse. Et j'ai réussi. Nous avons réussi, j'ai dit. Et de par Bayern Football Club, on a eu à créer une autre équipe du quartier, c'est-à-dire Fraternité Football Club. Wow. Donc, je me suis dit, et j'ai quand même formé des enfants, et à un certain moment, il fallait remplacer une équipe du quartier, de notre quartier Benilato, qui s'appelait Highlanders, plus communément Highlanders. Donc, tous les jeunes du quartier aimaient jouer dans cette équipe. Mais à un moment donné, les Highlanders ne me donnaient plus satisfaction. Je me suis dit, dans les Highlanders, j'avais des joueurs que j'ai formés depuis le bas âge, depuis les Minimes, depuis les Benjamins, qui ont grandi. Il fallait qu'avec mon frère Gito, Nassoulou, je ne vais pas l'oublier, on a essayé de voir qu'on a formé Fraternité Football Club. C'est ainsi que j'ai participé à la vie sportive au niveau du football de beaucoup de jeunes du quartier. Monsieur Wilson, moi, je voulais vraiment quand même revenir sur certains points. Moi, je vous dois beaucoup. Je vous dois vraiment énormément. Si je suis là où je suis aujourd'hui, je peux dire que je vous remercie beaucoup et je prends l'opportunité aujourd'hui de vous remercier encore une fois. Moi et toi, on a vraiment une grande relation de père, de frère et petit frère. Et tu as beaucoup joué un grand rôle, moi, dans ma vie personnelle. Télé Santana, comme nous tous nous t'appelons, parce que tu as une modèle d'entraînement d'un Brésilien de Télé Santana qui avait gagné la Coupe du Monde à l'époque avec l'équipe du Brésil. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez loupé votre vocation d'entraîneur? Je pense que le rôle que vous avez joué, si vous voulez vraiment embrasser le rôle d'un grand entraîneur, vous le pouvez au Togo à l'époque. Mon cher frère, j'aimerais te dire que tu as été l'un des enfants que j'ai commencé par entraîner et tu es devenu capitaine de l'équipe Minime, d'abord de l'équipe Benjamin, puis de l'équipe Minime. Donc, si tu dis aujourd'hui que tu as fait beaucoup dans ta vie de sportif, c'est vrai. Vous étiez nombreux, mais tu étais un peu coté parce que tu pratiquais un football qui attrayant et qui m'intéressait beaucoup. Et vous étiez quelques-uns à qui je faisais beaucoup confiance et qui me donnaient satisfaction. Donc, pour ce qui concerne le rôle d'entraîneur dont tu parles, Télé Santana, pour te donner une anecdote, donc tu t'en souviens, on était au Bafon. Oui. Pour jouer un match. Et ce jour-là, la finale, notre équipe, vous étiez en train de jouer jusqu'à ce que tous les supporters se demandaient qui entraîne vraiment cette équipe-là. Me croisais les bras, je me promenais seulement, j'étais parmi eux. Et à la mi-temps, on menait par 3-0. Tous ceux qui passaient près du stade, de Bafon, je m'en souviens, tout le monde était sur le terrain pour voir ceux qui jouaient, c'était vous. Et ça me donnait satisfaction tellement que ce jour-là, on a fini la finale à 7-0. Et avec les moyens que nous avons, les moyens de bord, d'abord pour aller jouer, on allait jouer au Bafon, d'abord jouer dans notre terrain Benglato, pour aller jouer au lycée ou bien au Bafon, il fallait prendre les taxis, tout ça. Et je ne vais pas tellement parler de ça, mais c'était avec les moyens de bord, comme je l'explique, quoi. Donc, ça nous donnait vraiment le courage de continuer. Ça me donnait à moi le courage de continuer. Parce qu'en ce moment, vous étiez d'abord discipliné et vous étiez vraiment, vraiment de bons joueurs. Ça a fait que, et je ne veux pas m'enorgueillir, mais l'équipe, les grandes équipes ont eu de moi, de joueurs qui étaient dans ma pépinière. Donc tu en fais partie, tu as joué l'équipe nationale avec d'autres que je ne peux pas citer. S'il y en a beaucoup, les Cavi Vitor, les Alex Anthony, tout ça, pour ne citer que ceux-là.
Donc, dans ma vie, je me suis dit, je n'ai pas été tellement long. Mais et ça, je suis toujours bien, quoi. Ça m'a guéri et je me sens bien dans ma peau. J'étais fier de vous et jusqu'à maintenant, je suis toujours fier de vous. Monsieur, madame, mademoiselle, oui, nous sommes en direct sur Afrique Today, dans l'émission de l'équipe dimanche présentée par Koutoufo, où nous avons aussi l'aimabilité de recevoir le icon, un nom suprême, quelqu'un d'avergure qui a joué un rôle fantastique de la ville, de la jeunesse, je peux dire depuis 1980 jusqu'à 90, où il a formé beaucoup de jeunes dans le quartier de Bledigato, où il a pu gérer une jeunesse de manière que nous n'avons pas connu la délégance, mais nous avons connu la discipline. C'est ce nom de Jacob Akwete Wilson, dit c'est Télé Santana, que nous avons dans notre studio aujourd'hui sur l'Afrique Today, pour nous parler de tout ce qu'on a pu vécu avec lui, de tout ce qu'il a pu donner à cette jeunesse à l'époque. Monsieur Wilson, Frank Kouete, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler généralement un peu du sport au Togo, sachant que vous avez pratiqué le handball, le basketball, le volley, le football, et dans quel état aujourd'hui est le sport togolais? Vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Et sincèrement, mon cher frère, le football ou bien le sport togolais dans son ensemble, à notre époque, c'était un domaine vraiment attrayant parce qu'il y avait beaucoup de joueurs disciplinés et tout ça. Et ça faisait, on donnait de la joie pour pratiquer le football. C'est ainsi que nous avons connu de grands joueurs au Togo, comme les Kaolo, les Dinké Wazo tout dernièrement. On a connu de grands joueurs sur le plan africain et mondial. Donc, je dirais que le football a émané d'une façon vraiment, ça a émané lentement et finalement ça a progressé. Parce que nous avons eu des fameuses équipes au Togo, hein, l'Étoile Filante de Lomé, la Mondiale de Lomé, l'Unisport, le Sort, tout ça. C'était de grandes équipes sur le continent. Et le football au Togo, sur la côte de l'Ouest, sans vous mentir, et mon frère, tout le monde. Le foot, au niveau football, seule l'équipe nationale du Ghana arrivait à battre l'équipe nationale du Togo parce que le Ghana, à ce moment, on les appelait les Brésiliens d'Afrique, en faisant allusion aux Brésiliens. Donc, au Togo, il y avait de grandes équipes qui fournissaient et de bons joueurs pour l'équipe nationale. Mais actuellement, sans vous mentir, c'est un peu nonchalant parce que on se demande si on pratique encore le sport ou bien le football au Togo. On a connu tout dernièrement notre deuxième fameux joueur, Adebayo. Mais ce n'était pas la même chose que dans le coup d'antan du Togo. Parce qu'il arrivait des moments et tout le monde, tout le pays, tout l'homme allait au stade, comment on appelle le grand, on appelle Terenga. Ouais. Tout le monde allait là-bas le dimanche. Pour le sport au mini-sport de l'homme. Le stade au ministère de Lomé. C'est ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a vu qu'il y avait eu. On a réformé le football, le sport en général au Togo. Et les équipes d'antan ont été dissoutes et on a commencé autre chose. Mais moi, je ne vais pas tellement parler de. Je ne vais pas tellement entrer dans la politique des choses du Togo, du côté football. Mais étant togolais et aimant le sport, on s'est toujours dit que il faut que ça revienne, quoi. Merci, parce que je sais que vous ne voulez pas aller en profondeur de vos dits, et je comprends bien. Mais aujourd'hui, moi, je vais revenir sur une question très pertinente. Vous avez habité dans un quartier populaire au Togo qui s'appelle Bledigato, et aujourd'hui, ce quartier semble un peu vide parce que tout le monde a eu la chance d'aller se chercher ailleurs. Est-ce que vous avez gardé les relations avec tous les joueurs qui sont émaillés dans vos mains, qui sont passés à côté de vous, avec qui vous avez eu des relations très tout petits jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez des contacts? Et j'aime que tu me poses cette question parce que ces derniers jours, bien cette semaine qui se finit, et j'ai eu avec quelques frères à rappeler mes anciens joueurs. En mémoire. Bon, pas en mémoire. À rappeler sur une plateforme mes anciens joueurs
et de Bayern, de Fraternité, même de tout le quartier. On est en train de former quelque chose de grandiose qui pourrait nous faire remonter les espoirs d'antan, comme je le dis. Donc, c'est en pleine, en pleine route, quoi. C'est dans cette semaine qu'on a commencé, mais je ne peux pas te mentir, on a dépassé les 100 personnes déjà. C'est-à-dire que ça revient et les contacts sont en train de se constituer et peut-être qu'on en fera quelque chose. Parce qu'actuellement, j'ai été tout dernièrement au pays et j'ai été un peu visiter le quartier. On n'a plus rien dans ce quartier de Beninglato. On n'a plus de joueurs, on n'a plus de jeunes enfants même pour entraîner. Il n'y en a plus. Quand tu les vois avec des bouts d'oreilles, des trucs tout ça à la main, tu rentres un peu au petit terrain de Beninglato. Et ils n'ont même plus de notre la tribune même n'a plus de tôle. Hey. Donc tu vois qu'il n'y a plus d'ambiance de il n'y a rien le matin comme le soir. Alors que sur ce terrain, toi tu le sais. Matin, sauf le midi, le soir, on est aussi sur ce terrain-là. Il arrivait que, mais on a eu des camarades qui dormaient le soir sur le stade de Beninglato. Ouais. Ça arrivait à nous tous comme ça, parce qu'on aimait vraiment ce terrain-là, on a aimé ce quartier et on pratiquait du beau football. Est-ce que le groupe que vous venez de retrouver, les amis de longue date du quartier Beninglato, et de ses environs à Daulato, à Civito, à Petit Mission, je ne peux pas en finir de tous les quartiers environnants, quoi. Est-ce que ce groupe, dans l'avenir, il y aura un projet typique pour redresser les choses dans ce quartier où il y aura une contribution de la diaspora réunie autour de cette plateforme pour agir, pour changer les choses dans le quartier de Beninglato en général? Sûrement, mon cher frère, parce que avant de lancer ça, on a passé à revaloriser notre quartier. Pas notre seul quartier, pas Beninglato seul, mais les quartiers avoisinants, les quartiers qui sont tout autour de nous. Et on a eu tous à vivre au terrain de Beninglato. Notre jeunesse était là-bas, les jeunes d'Araulato, de Coquetime, de à Civito, tout ça, à Guillaume, tous se retrouvaient au terrain de Beninglato. Et c'est là-bas qu'on formait, comme je le disais avant, les pépinières des équipes civiles de ville, du Togo, pas de Lomé seulement, du Togo. Les grandes équipes venaient recruter là-bas, sur notre terrain là-bas. C'était la joie, dans le temps, de venir sur le terrain, surtout durant les vacances, et même. On faisait un peu de tout. Et actuellement, comme on a passé à refaire quelque chose, à aider, à s'entraider, et c'est sûrement dans un bref à venir, on aura fait quelque chose avec la nouvelle organisation que nous sommes en train de préconiser. Et je pense, avec l'aide de tout un chacun, la compréhension et la discipline qui règne entre nous, on pourra refaire quelque chose. Nous t'étais aidé ce quartier ou bien les deux quartiers, faire quelque chose qui démontrera que nous avons vécu dans ce quartier et qu'on aime ce quartier, on aime ce quartier et qu'on ne continue pas à l'aimer. Et je vais un peu... Madame, mesdames et messieurs, oui, nous sommes à la troisième volet de notre émission présentée sur Afrique Today, dans l'émission de l'équipe du dimanche présentée par Coach Fofo. Vous pouvez regarder sur le Instagram, le YouTube, le Facebook, le Instagram et toutes les plateformes www.afriquetoday.com où nous sommes dans l'émission de l'équipe du dimanche aujourd'hui et nous avons reçu un grand nom du sport, un monsieur qui a donné sa jeunesse, sa vie pour la jeunesse de Beninglato, du sport en général, je peux dire. Monsieur Akwete, est-ce que le groupe que vous venez d'émailler maintenant, est-ce que, connaissant, sachant que nous tous, nous avons grandi, nous opérons en Europe avec... beaucoup d'expériences changées. Est-ce que tu penses que si, dans le cas éventuellement, on aurait un projet, tout le monde pourrait adhérer à ce projet, sachant qu'on a changé, on n'est plus les mêmes qu'avant et qu'aujourd'hui? Oui, et c'est ça que j'étais en train de vous expliquer. Et on a lancé ce regroupement. Il y a 8 semaines, on est à plus de 100 personnes déjà.
Ça prouve que les gens sont animés et d'une bonne volonté, les gens sont animés d'une bonne volonté pour qu'on refasse, les gens sont intéressés pour qu'on refasse quelque chose. Donc, nous avons le droit et le devoir de faire ça. Et je pense avec ma connaissance, et d'abord, comme tu le sais, moi, je suis né et rassembleur d'hommes et guideur d'hommes, comme on le dit. Mm-hmm. Et j'ai pu penser ainsi. Même ici, en Belgique, où je me retrouve, j'ai eu à former quelques groupes qui actuellement sont encore en marche. Donc, je me dis, c'est un don de Dieu pour moi aussi, que j'ai eu de Dieu. Et former et guider des gens, j'en suis toujours capable. C'est pas donné à tout le monde, hein? Pour en revenir à une de tes dernières questions, tu me posais la question de savoir pourquoi je n'ai pas pu continuer dans le domaine de l'entraînement, d'entraînement de football. C'est-à-dire que, comme tu le sais, quand tu émigres dans ces pays, et en Outre-mer, dans ces pays d'Europe, et d'abord, il y avait le côté papier qui m'a un peu dérangé dans tout au début. Et quand j'ai voulu continuer, cette question-là m'a toujours bloqué. Mais là où je suis, comme tu me vois, je suis encore jeune, je peux encore reprendre, être entraîné ou bien aller faire encore une formation. Et je peux encore le faire parce que j'ai ça dans la peau. Tu vois? Et puis, j'ai déjà deux diplômes d'entraîneur de football, comme toi tu le sais. Et il y a votre entraîneur, René, l'Allemand René. J'ai fait un stage chez lui et j'ai fait un stage au niveau de la Fédération Togolaise de football. J'ai eu ces deux diplômes d'entraîneur de deuxième degré au moins. Donc, je m'en réjouis et je suis toujours là, je suis toujours disponible du côté de football, handball, tout ça. Parce que je me suis entouré de jeunes sportifs et qui ont répondu cette semaine à mon appel. Ça prouve qu'avec le bon sens et la bonne volonté, on peut encore faire quelque chose. Mon entraîneur, je peux mesurer vous appeler. Mon grand frère, nous arrivons à la fin de cette émission et ça a été un grand plaisir pour mon équipe Afrique Today, qui est une chaîne digitale panafricaine qui s'est mise depuis les États-Unis en Virginie. Et cette émission, l'équipe du dimanche qui a présenté moi-même, nous avons vraiment la chance de te voir et de te poser des questions, sachant la passion que vous avez eue pour le football, sachant la passion que vous avez eue pour les amis, votre quartier, pas que toi, mais toute ta famille. Vos maisons, votre maison était notre maison de tout le quartier où on venait manger. Et on était vraiment pauvres à l'époque. Et aujourd'hui, Dieu vous a donné la chance de vous habiter aujourd'hui en Belgique. Votre dernier mot sur le groupe, ça m'intrigue beaucoup. Le groupe que vous venez de rassembler dans la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, quel avenir vous voyez pour cette groupe? En sorte, pour le moment, on est au stade des retrouvailles et on va encore élargir ce stade des retrouvailles et pour voir ensuite, avec d'autres amis, on est en train de réfléchir à un projet ou bien à des projets qu'on pourrait introduire et quelques temps après et les retrouvailles. Je me dis, Inch'Allah, on va faire grand-chose et puisse Dieu nous aider. On arrivera à faire quelque chose pour redorer le blason d'antan de notre quartier et de ses quartiers et environnants. Donc, je souhaite que tout le monde se porte très bien et que nous vivons bien dans nos familles et pour que dans les prochains jours, les idées viennent de gauche à droite et de gauche à droite et qu'on arrive à faire quelque chose de potable quoi, pour notre quartier. Allez-y. Le projet me tient et j'aurai à discuter avec le petit comité que je suis en train de former et on va voir ce qu'on peut faire pour débuter et ensuite et développer le projet, d'autres projets qui, par exemple, je ne sais pas quoi vous dire pour le moment, mais il y a des projets et surtout notre quartier, maintenant le quartier Beniglato, tu vas là-bas, tu vas te sentir mal. Comment mesurez-vous aujourd'hui la joie de tous ces gens qui se retrouvent sur cette plateforme? Comment mesurez-vous cette joie? Comment qualifiez cette joie que vous voyez tous les jours, sachant que les gens envoient des messages? Comment on peut expliquer ça? Mon cher Fofo.
Et depuis les quelques jours-là, je me réveille en gaieté et tout le monde, tout le monde est joyeux sur la plateforme et je sens quelque chose. Je sens que tout le monde a envie. Tout le monde a envie qu'on fasse quelque chose pour démontrer que nous avons habité un quartier digne du Togo, un quartier digne de Lomé et du Togo. Et Benigalato, avant, quand les gens entendaient parler de Benigalato, ou bien tu venais jouer à Benigalato, ce n'était pas de la blague, hein? Il fallait être fort et courageux pour nous battre là-bas. Hein? Ça, tout le monde le sait. Hein? On savait tout faire. Il y avait tout. Donc, cette joie, je la partage avec tous mes amis, mes jeunes frères, mes grands frères, parce que dans le groupe, nous avons quelques-uns de nos derniers encore en vie. Hein? Et ils se sont rapprochés. Ils ont tous approuvé le projet. Et je vois que ça promet. Ça promet. On a un grand avenir devant nous concernant ce projet-là. Merci beaucoup, Fouakouete, depuis la Belgique, que nous avons eu la chance de vous recevoir aujourd'hui. Cette émission arrive à la fin et nous voulons dire merci à nos éditeurs et spectateurs que nous avons eu aujourd'hui la chance d'avoir l'entraîneur, le coach, le grand nom, un grand monsieur qui a pu donner sa vie, qui a pu former beaucoup de jeunes depuis le quartier de Blenigato, de ses environnements. Et c'est ce qu'on a vu ce soir dans notre émission. Et Fouakouete, nous vous disons merci. Bon vent à votre groupe, les retrouvailles ou les mousquetaires qu'on les appelle, et les qui peut-être ne changent le nom plus tard. Mais bon vent à ce groupe et beaucoup de chance et bien de choses à votre famille. Merci beaucoup et bonsoir. Merci beaucoup. C'était un grand honneur pour moi de m'avoir invité à cette émission. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup, monsieur Foucault. Et du courage aussi dans votre travail, dans votre entrepreneur. Et de retourner l'ascenseur à tout ce que vous avez fait pour notre communauté. Selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous,
Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Les païens sont tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas instruits de la parole de Dieu. La Bible nous dit que les païens marchent selon la vanité de leur pensée. Ça veut dire que, quoi qu'ils pensent dans leur tête, ils veulent exactement faire selon ce qui leur vient en pensée. À l'opposé du chrétien qui va d'abord juger ses pensées et voir si ses pensées sont conformes à la parole de Dieu avant de pouvoir l'appliquer en tant que chrétien. La parole de Dieu est comme un filtre qui, appliqué à nos pensées, nous montre la direction à suivre. Le Saint-Esprit étant à l'œuvre, nous confronte et nous met à l'application de la parole de Dieu. Il met un frein à ce que nous avons l'intention de faire de mal. La parole de Dieu dit que les païens ont l'intelligence obscurcie, qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. La parole de Dieu nous adoucit le cœur. La parole de Dieu nous exhorte donc à vivre et à marcher conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ. Le Seigneur nous exhorte à nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu et marcher dans la sainteté selon la volonté de Dieu. Pendant que nous sommes donc dans une nouvelle année 2021, nous devons donc nous dépouiller de toutes nos mauvaises attitudes et renoncer aux mensonges, renoncer à la cupidité, aux multiples convoitises et à la colère et tout genre de maux, car en faisant cela, nous donnons accès au diable, nous lui donnons les portes ouvertes à notre vie pour la destruction. Mais quand nous nous exposons aux paroles de Seigneur et que nous agissons conformément à cette parole pour filtrer nos pensées et choisir de faire ce qui est à la parole de Dieu et de renoncer à ce qui est mal, la parole de Dieu nous transforme et renouvelle notre intelligence pour nous apporter les bénédictions de Dieu. Nous allons maintenant passer rapidement à nos annonces et pour cela, nous allons rapidement brosser les points intéressants de nos annonces. Donc ici, vraiment, nous vous remercions déjà de vous être connectés dans notre culte de ce mois de janvier. Et nous vous souhaitons une fois de plus une bonne et une heureuse année 2021. Que le Seigneur vous apporte la grâce, la paix, la bénédiction et sa faveur. Salvation Love Christ, comme vous le connaissez, continue à être dynamique, même dans ces moments difficiles, à apporter la parole de Dieu pour nous édifier et nous encourager pour que nous restons connectés au Seigneur. Nous sommes un groupe qui est recommandé à tous, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit des vieux. Notre prochain culte sera online et ce sera le dimanche, le 27 février. Notre calendrier annuel est disponible et nous allons dérouler toutes les dates dans notre prochain culte.
nous mettons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accent sur l'éducation de nos enfants avec des leçons bibliques. Maintenant, parce qu'il y a des confinements, ils ont leurs leçons sur Zoom. Et ce vendredi 15 janvier, ils ont eu leur Zoom meeting qui était très, très intéressant. De plus en plus, nos enfants grandissent. Ils apprennent beaucoup à travers leur interaction avec le Seigneur et sa parole. Et maintenant, ils apprennent déjà à prendre la relève d'eux-mêmes. Nous ne devons pas négliger l'éducation spirituelle de nos enfants. C'est un fondement et un investissement éternel que nous faisons dans leur vie en les plaçant directement dans les bras de notre Seigneur. C'est la seule garantie que nous avons vraiment dans ce contexte difficile d'incertitude et d'insécurité, de s'assurer que nos enfants ont tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Nous continuons à avoir également notre groupe WhatsApp tous les matins, nos messages que nous recevons qui sont tellement, tellement édifiants et nous ne pouvons vraiment pas seulement compter sur les messages des dimanches pour nous édifier. La parole de Dieu, c'est tous les jours. Et le Seigneur nous certifie vraiment dans Josué 1:8 que la réussite nous viendra toujours quand nous appliquons sa parole. Donc restons connectés dans sa parole et n'oublions pas également de nous connecter sur Afrique Today tous les dimanches à 17h parce que nous avons toujours nos deux émissions qui passent, Transformation Point et Lifetime Gift. Notre ligne de prière toujours tous les dimanches à 20h est ouverte et maintenant sur Zoom pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir se connecter et de ne pas se laisser entraîner ou ensommeiller dans la paresse spirituelle. Si vous n'êtes pas connecté, nous vous prions vivement de vous connecter sur cette ligne de prière. C'est une ligne de prière vraiment pleine de témoignages où le Seigneur fait beaucoup de miracles. Si vous ne pouvez même pas vous connecter, nous vous prions d'envoyer vos sujets de prière à salvationofchrist@gmail.com. Nous avons notre série qui passe deux fois par semaine, les mercredis et les dimanches, Meditation Point, qui est un moyen puissant de méditation de la parole de Dieu qui va assurer le succès dans nos vies selon les promesses du Seigneur. Donc vivement, vraiment, nous avons tous les moyens d'édification pour vous permettre de rester en connexion avec le Seigneur afin de recevoir ses grâces et ses bénédictions. Bon anniversaire à Achille Kamsu, à Solange Foseux, à Mélanie Kamsu, à Briella Kamno également et à tous ceux qui sont nés en janvier. Nous implorons la grâce et la bénédiction du Seigneur de leur ouvrir le chemin et de leur accorder longue vie, santé, paix, joie et succès. Notre projet Salvation of Christ Vision 2020 continue toujours et tient. Nous profitons de ces moments de COVID et de pandémie pour continuer nos contributions et pour le moment, ce projet tient encore. Envoyez vos contributions soit par Zelle à salvationofchrist@gmail.com ou par Cash App au numéro 240-491-1249. Nous avons une innovation que nous partageons déjà depuis un certain temps. Cela concerne notre projet nommé Salok Medina, qui est une branche de Salvation of Christ pour la santé et le bien-être. Nous avons innové avec des suppléments alimentaires faits à base d'artémisia, de moringa et de beaucoup d'autres suppléments encore dans la santé. Et pour le moment, nous avons beaucoup de meilleures reviews. Le dehors, comme on dit, est très mauvais avec le COVID. Plusieurs personnes ont attrapé le COVID et nous vous assurons que ces suppléments sont d'une efficacité et aident vraiment ceux qui sont dans le besoin, que ce soit pour se protéger et supplémenter le système immunitaire pour pouvoir combattre la maladie, soit pour rapidement se sentir mieux si on a
la maladie. Donc, pour ceux qui sont atteints de COVID, vous pouvez les diriger à Salvation Army of Christ pour pouvoir prendre ces suppléments. Comme je le dis, les reviews sont nombreux et les records sont nombreux pour ceux qui ont expérimenté cela. Donc, n'hésitez pas vraiment à pointer les gens à Salvation Army of Christ pour en profiter largement. Nous allons maintenant passer à notre prière d'illumination et ensuite nous allons donc passer à notre message d'aujourd'hui. Prions Dieu. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes en ce jour d'écouter ta parole vivante et efficace qui transforme nos vies. En ce début d'année, Seigneur, nous voulons encore te remettre tout ce qui nous concerne. Sois avec nous pour nous guider dans ce monde. Seigneur, illumine-nous de ta parole, éclaire les profondeurs les plus obscures de notre vie, édifie et sanctifie-nous et transforme-nous à ta volonté. Nous voulons t'adorer infiniment et te rendre grâce pour tes bienfaits que tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Équipe-nous de ton Esprit Saint de pouvoir être capable de poursuivre et d'accomplir tes œuvres dans le monde. Arrache toute distraction potentielle autour de nous et rends-nous aptes à obéir à la voix de ta parole au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons passer à notre message d'aujourd'hui qui s'intitule « Prospérer et réussir en tout temps, même au milieu des tribulations ». Prospérer et réussir en tout temps, même au milieu des tribulations. Nous faisons face aux moments sans précédent dans ce monde avec beaucoup de crises de part et d'autre. Beaucoup de personnes stressées, déprimées. C'est le thème le plus relevant qui concerne chacun d'entre nous. Comment vivre dans la paix, dans l'assurance et l'espérance d'un meilleur futur, d'un lendemain assuré avec tout ce qui se passe ici autour de nous, avec la pandémie et les crises politiques et sociales de part et d'autre. En ce moment, exactement l'année dernière, nous étions si impatients, si vraiment contents de pouvoir savourer l'année 2020 qui s'est révélée être une des années les plus mauvaises avec la pandémie qui nous laisse avec des conséquences graves que nous venons à peine de commencer à gérer. À ce point, pendant que d'autres sont impatients du vaccin, d'autres ont terriblement peur. Et cela avec raison, parce que nul ne peut plus nous certifier ce qui viendra le lendemain. Aujourd'hui, on nous annonce que telle chose est bien et demain, c'est la catastrophe. Ces derniers temps, quand je souhaite la bonne année à mes patients et aux gens que je connais, je leur demande comment ils ont commencé la nouvelle année. Beaucoup sont tellement tristes et me disent « c'est une pure continuation de l'année 2020 ». En d'autres termes, les espérances qui reposaient sur l'année 2020 comme devant venir mettre un terme rapide aux difficultés de l'année 2020 sont en train de s'estomper rapidement. Nous sommes en 2021. Mais nous devons continuer dans le confinement et dans le port des masques. Nous devons gérer nos enfants à la maison ou du moins dans les autres pays où ils ne sont plus beaucoup en confinement. Il faut faire face aux conséquences qui se sont attachées au COVID. Quand une nouvelle année arrive, c'est toujours l'objet d'une très grande joie parce que vivant dans l'espoir, nous espérons que le meilleur est toujours à venir. Mais avec la pandémie qui nous a menacés, nous nous sommes rendus compte que notre meilleur est resté dans le passé et que le pire peut être encore à venir. Et à ce moment, nous comprenons bien la parole de Dieu qui dit dans Jacques 14, 13 à 15, « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année. » Nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera le lendemain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaîtra.
vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Quelle vérité, mes bien-aimés, nous pouvons espérer au lendemain meilleur et prospérer ou réussir que si Dieu le veut. Si Dieu est de notre côté, nous devons donc être avec Dieu à tout moment, parce que si Dieu est à notre côté, nous allons réussir, nous pouvons aller ici, faire ceci ou cela. Mais si Dieu n'est pas avec nous, ou si nous ne sommes pas avec Dieu, alors nous serons véritablement perdus. Malgré la pandémie et les crises qui nous frappent, la parole de Dieu reste exempte de tout ce qui se passe autour de nous. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ nous confirme dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 5, 18 dit dans le même sens, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Ici, le Seigneur nous donne l'assurance que, quel que soit le contexte que nous vivons autour de nous, nous devons continuer à suivre, à espérer, à marcher et à continuer à suivre sans relâche la parole de Dieu, parce qu'elle ne changera jamais. Pas à cause des crises politiques, ni des crises économiques, ni des pandémies qui ont déjà pour certains de ces mauvais événements futurs qui vont arriver et prédits par la Bible. Après cette pandémie, d'autres malheurs arriveront dans le monde auxquels il faudra que nous y fassions face. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais compté sur le contexte qui nous environne pour pouvoir nous guider ou nous bénir. Quand le Seigneur Jésus-Christ vivait dans le monde également, il ne comptait pas sur le contexte qui l'environnait pour pouvoir accomplir sa mission sur terre et la volonté de Dieu. Lorsque le besoin se faisait ressentir, il priait, il lisait la parole de Dieu, il méditait et il comptait sur Dieu en tant qu'un être humain dans le monde pour résoudre les questions et les problèmes divers qui sont les mêmes que nous traversons aujourd'hui, mais avec des degrés et des contextes différents. Dans les contextes spirituels de démons, le Seigneur Jésus-Christ les chassait. Dans les contextes de la santé et de la maladie, le Seigneur Jésus-Christ guérissait plusieurs malades par des miracles. Dans le contexte social, nous l'avons vu changer de l'eau en vin. Dans le contexte économique, pour résoudre ces problèmes d'impôts, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ envoyer un de ses disciples, Pierre, pour aller pêcher le stratère dans la bouche du premier poisson qu'il trouverait pour pouvoir résoudre sa dette financière d'impôts. Dans tous les contextes, le Seigneur Jésus a utilisé les moyens surnaturels des provisions de Dieu pour résoudre ses problèmes. Il n'a jamais aucunement compté sur aucun contexte extérieur que celle de la confiance et de la foi en Dieu. Nous également, aujourd'hui, nous pouvons le faire et nous allons bien regarder, examiner un des contextes où le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé avec ses disciples. Ceci se trouve dans un contexte de famine où nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ nourrir une foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Nous allons donc lire le scénario dans Luc 9, 1 à 6, et ensuite les versets 10 à 17. Nous lisons. Jésus ayant assemblé les 12 disciples, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, c'est de là que vous partirez,
Et si les gens vous reçoivent, ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Il partit et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par des rangées de 50. » Ils firent ainsi et ils firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Bien-aimés, dans ce contexte, nous voyons ce texte s'ouvrir très bien sur le Seigneur Jésus-Christ qui assemble ses 12 disciples et leur donne le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya de prêcher le royaume de Dieu et de guérir et de faire des miracles, avec pour instruction de ne rien prendre pour le voyage, dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et de ne pas avoir de tunique. Ceci sachant que Dieu pourvoira à tous leurs besoins, sachant qu'ils ont déjà le pouvoir de pouvoir résoudre les problèmes dont ils ont besoin dans leur mission. Ils vont très bien en mission, ils chassent les démons, ils guérissent les maladies, ils annoncent la bonne nouvelle. Ils rentrent vraiment très contents dans une joie tellement extrême et ils racontent au Seigneur Jésus-Christ comment leur sortie et leur ministère s'est passé au moment où ils sortent. Et c'est alors là que le Seigneur écoute et il les amène dans un autre endroit où ils sont suivis par une foule encore plus nombreuse. Là, alors, il se pose un autre problème. La foule a faim, il n'a rien à manger et ils sont dans un désert. Ils vont vers le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, « Seigneur, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes et dans les environs pour se loger et trouver à manger. » Le Seigneur regarde et dit, « Merde alors, ça, ce sont les gens à qui j'ai donné le pouvoir en leur même demandant même de ne pas prendre les tuniques. Maintenant, ils veulent renvoyer une grande foule dans le désert qui n'ont rien à manger alors qu'eux-mêmes, ils peuvent vraiment pouvoir aux besoins de ses disciples par rapport au pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ les a donné. Le Seigneur leur dit, mais donnez-leur à manger. Et il commence à dire, « Oh, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter les vivres pour que ce peuple, le Seigneur vraiment dépassé. » Il dit, « Ok, faites-les donc asseoir. » Et c'est alors où le Seigneur, ayant pris les pains et les deux poissons, le Seigneur rend grâce et levant les yeux du ciel, il bénit et il prie le Seigneur en accordance avec la parole de Dieu. Le Seigneur distribue donc le pain qui se multiplie à cette foule de 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et tous mangent et ils sont rassasiés et ils remportent même un reste de 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Dont nous voyons les disciples pleins du pouvoir de Dieu. Dans ces contextes, ils peuvent utiliser le pouvoir de Dieu pour résoudre le problème des hommes. Mais ils se comportent toujours
comme s'ils voulaient compter sur le contexte extérieur et ils sont vraiment abattus parce qu'ils se trouvent au désert. Ils attendent encore que le Seigneur Jésus-Christ puisse agir quand il les a donné le pouvoir et la possibilité dans un contexte impossible. Dans un autre scénario, dans le même contexte, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ se retrouver encore avec ses disciples devant une foule nombreuse, cette fois-ci de 4000 personnes, et il les nourrit en multipliant des pains et des poissons, au point que cette fois-ci, 7 paniers sont restés après que les 4000 personnes soient nourries. Et jusqu'alors, les disciples sont toujours sans intelligence. Nous allons donc au troisième scénario pour pouvoir lire cette histoire et gagner donc ces enseignements. Nous lisons donc dans Marc 8, 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'ayez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, leur répondit-il. Et les morceaux avez-vous emporté? 7, leur répondit-il, par rapport aux 4000 hommes. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Bien-aimés, ne comprenez-vous pas encore que dans un contexte aussi mauvais que celui-ci, où quand nous regardons le dehors, nous voyons comment c'est difficile économiquement, difficile avec les pandémies et les maladies, difficile avec les esprits méchants dans les lieux terrestres qui continuent à influencer le mal dans le monde. Nous devons compter sur la force du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons compter sur sa fidélité et son amour pour résoudre nos problèmes. Si nous ne comprenons pas que nous devons compter sur Dieu seulement et non seulement sur des contextes extérieurs pour nous apporter la prospérité et la réussite dans tout ce que nous faisons, alors nous allons souffrir comme le reste du monde. Nous sommes les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu à qui il donne le pouvoir et la capacité de ses paroles de pouvoir continuer à prospérer et à réussir même au milieu des tribulations. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais compté sur le contexte extérieur en dehors de sa parole pour pouvoir s'occuper de ses enfants et de chrétiens dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous a confirmé dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Nous devons tout d'abord continuer à nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu le monde. Il nous donne à travers sa parole les moyens de pouvoir vaincre le monde comme lui-même il a vaincu le monde. Dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, il est possible de prospérer et de réussir si nous mettons Dieu en premier plan dans notre vie, comme Matthieu 6, 33-34 dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Chercher le royaume et la justice de Dieu consiste à rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, comme dans le contexte, comme celui dans lequel nous vivons avec plein de avec la pandémie et des crises politiques et économiques autour de nous. Toutes choses vont mal, mais nous devons continuer à espérer en Dieu et en sa parole. Nous devons avoir foi en lui et en ses promesses et suivre ses recommandations et ses commandements, quel que soit
le contexte dans lequel nous vivons. Si nous voulons marcher comme le Seigneur le veut, nous devons soutenir et nous devons nous accrocher à ses promesses. Par exemple, Proverbe 16:3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Psaume 1:1-3 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Dont la réussite et la prospérité dans la parole de Dieu vient par un et un seul chemin, celui de la méditation et de la mise en pratique de la parole de Dieu, qui d'ailleurs rejoint Josué 1:8 qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussira. Dans ce contexte, nous comprenons que la réussite selon le Seigneur ne dépend d'aucun contexte extérieur, mais dépend seulement de la parole de Dieu. Quand nous la méditons, quand nous la mettons en pratique, quand nous comptons sur Dieu et ses promesses dans notre vie. Ce verset de Josué 1 continue à 9 qui dit « Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quelle belle promesse, mes amis! Le Seigneur nous promet d'être avec nous dans tout ce que nous entreprenons. Il nous rassure de ne pas avoir peur. Il nous fortifie et nous demande de prendre courage et de ne pas nous effrayer. Ce sont ici des versets de vie, des versets qui nous reviennent, mais c'est comme si quand nous lisons les paroles de Dieu, nous les récitons sans vraiment les considérer, sans passer assez de temps pour les méditer et pour être sérieux à les appliquer agressivement dans notre vie pour pouvoir recevoir les promesses qui les accompagnent. Je voudrais ici que nous relisons ce que le Josué 1:8 dit et ce que ça dit par la suite pour que cette parole puisse nous pénétrer, pour que nous puissions avoir la révélation de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous apprend dans sa parole. Il dit bien « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. » Pour agir fidèlement, tous les jours que le Seigneur nous donne, nous devons fouiller sa parole, nous devons lire et nous devons nous appliquer à cette parole. Car c'est alors que nous aurons du succès dans nos entreprises et pour réussir. Donc pour réussir dans un contexte comme celui-ci, nous devons nous accrocher aux paroles du Seigneur qui est comme une sorte de boussole qui nous montre la lumière au chemin pour pouvoir réussir. Par la suite, le Seigneur nous dit de ne pas nous effrayer, de nous fortifier et de prendre le courage, autant qu'il a dit à Josué, de ne pas nous effrayer, de ne pas nous épouvanter, mais de nous rassurer qu'il sera avec nous dans tout ce que nous entreprendrons. Dans ce contexte où nous vivons, il y a tellement de peur. Les enfants de Dieu ne devraient pas avoir autant de peur et de découragement. Car une fois que la peur et le découragement s'installent dans nos vies, la foi s'envole en fumée, nous laissant vraiment ouverts à l'ennemi pour prendre le dessus dans notre vie, pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous arracher nos bénédictions de nos yeux
Et le Seigneur nous avise de méditer sa parole qui est une barrière de protection pour nous donner l'assurance de la réussite. Parce que l'ennemi veille, il ne dort pas, il est là pour nous détruire. Mais si nous écoutons la parole de Dieu, nous devons être dans un contexte intentionnel dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons veiller et avoir des groupes de support, des groupes de prière. Nous devons nous soutenir les uns les autres pour ne pas nous décourager. Si nous tenons à réussir dans un contexte de détresse et de stress dans lequel nous nous trouvons, nous devons être agressifs dans notre foi. Nous devons être zélés dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Matthieu 7, 24 à 27 nous dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été très grande. Ça, c'est le moment de détermination si nous avons notre vie bâtie sur le roc ou sur le sable. Mes bien-aimés, nous devons résister et ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous donner de résister quand la tempête des pandémies, quand les crises politiques, économiques et sociales viennent nous secouer comme des vents très forts. Si nous bâtissons notre fondement sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une parole éternelle, alors nous allons subsister et continuer à réussir, même quand les choses vont s'écrouler autour de nous. Mais si nous continuons à espérer aux choses passagères, si nous voulons pouvoir réussir dans ce que nous voulons faire, alors nous ne pouvons pas nous accrocher au contexte économique, au contexte politique, au contexte social, mais nous devons vraiment rester déterminés dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, dans ses recommandations. La plus mauvaise des choses que nous pouvons faire et que nous voulons faire, c'est de croiser nos doigts et attendre en suspense que les choses s'améliorent pour nous et que nous continuions notre vie comme par avant quand les choses vont s'améliorer. Dans le monde, c'est un problème après un autre. Si nous ne nous adaptons pas très rapidement suivant les commandements et les recommandations du Seigneur, alors nous allons déprimer parce qu'après un stress, c'est un autre. Après un problème, c'est un autre. Et le temps s'en va et notre vie est passée et nous ne pouvons plus rien faire. Vivons en regardant au Seigneur, en demeurant sous le couvert de sa toute-puissance, de l'onction de l'Esprit-Saint et des promesses véritables qu'il nous donne dans sa parole. Matthieu 11, 12 dit, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. » Quelle parole! Vraiment, bien aimé, ceci indique tout simplement que pour avoir les bénédictions de Dieu et que le royaume de Dieu met à notre disposition de nos jours, nous devons nous battre. C'est un combat. La vie, c'est un combat spirituel. Le diable qui est le malin ne va pas rester en arrière et nous voir savourer devant lui les bénédictions que Dieu veut nous donner. D'ailleurs, 1 Pierre 5:8 nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. À nous donc de veiller dans les prières, de veiller dans les jeûnes, de veiller dans la mise en pratique, dans l'obéissance de la parole de Dieu et dans la certitude que nous continuons à communiquer dans la foi avec le Seigneur. » Jacques 4, 7 nous dit « Soumettez-vous
Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La seule manière de pouvoir vivre une vie paisible dans un monde d'incertitude, bouleversante, de toutes sortes de troubles et de problèmes, c'est de se soumettre à Dieu et de résister au diable pour qu'il puisse fuir de notre vie. Nous attachant à Dieu, nous pensons que si Dieu est vivant et que ses promesses sont vraies pour nous, nous avons raison d'espérer que le Seigneur nous donnera la réussite, même au milieu des difficultés et des tribulations. Le Seigneur a plein de promesses pour nous. Nous allons lire quelques promesses qui vont nous rappeler de la fidélité du Seigneur et de son amour et de sa bonté pour nous, même quand les choses ne vont pas bien. Psaume 103, 2 à 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie ta vie. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Le Seigneur nous donne tellement de promesses. Il nous accompagne jusque dans notre vieillesse pour nous couronner de bonté, de justice, de miséricorde et de réussite. Ésaïe 40, 29 à 31 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, mes bien-aimés, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes confrontés, le Seigneur nous prend en charge, il renouvelle nos forces, il nous guide, il nous soutient, il nous fortifie et il nous donne la victoire dans nos combats. C'est pour ça que 2 Corinthiens 4, 17 à 18 dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le Seigneur nous couvre, il nous donne son Esprit Saint, il nous accompagne, il nous assure les plus merveilleuses promesses, mes bien-aimés, et il nous a déjà donné le pouvoir à travers son Esprit Saint de pouvoir mener une vie réussie. Même quand bien même nous avons les difficultés, le Seigneur utilise toutes ces difficultés pour concourir à notre bien parce que nous l'aimons et parce que nous sommes appelés selon son dessein. Bien-aimés, marchons en pleine assurance avec le Seigneur. Nous avons la foi, le Seigneur fera toutes choses merveilleuses dans nos vies en son temps. Car ses promesses sont vraies, ses paroles sont vraies. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est notre secours, il est notre soutien, il nous fortifie, il nous bénit, il nous promet la réussite en son nom. Que son nom soit à jamais sanctifié, adoré, honoré, maintenant et à jamais. Que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole aujourd'hui. Amen. Prions Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous sanctifie par tes paroles et qui nous équipe pour refléter ta gloire dans tout ce que nous faisons. Merci, Seigneur, de nous promettre la réussite et la prospérité au milieu même de nos tribulations. Donne-nous un cœur de gratitude, Seigneur. Donne-nous de marcher selon ton amour et ta grâce. Donne-nous de méditer ta parole pour pouvoir avoir la réussite que tu nous promets. Donne-nous d'être comme cette maison qui a été construite sur le roc, Seigneur, qui résiste à toutes les intempéries et qui soutient le combat de la vie. Merci de nous faire fleurir et briller de ta grâce, de tes faveurs
et de tes bénédictions tous les jours que tu nous accordes et que ta volonté qui est toujours la meilleure soit faite dans notre vie et dans celle de nos proches et de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Plusieurs manières de donner par Cash App, Salvation Love of Christ, ou par Zelle, salvationloveofchrist@gmail.com. Souvenons-nous toujours qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le Seigneur, selon 2 Corinthiens 9:8, il peut nous combler de toute grâce selon sa miséricorde. Bénissons nos offrandes. Seigneur, nous te présentons nos offrandes. Tout ce que nous avons vient de toi. Tu as le pouvoir de bénir et de multiplier toutes choses. Et tu promets que quand nous te mettons à l'épreuve avec nos dons, que tu ouvriras les écluses de tes cieux pour répandre sur nous la bénédiction avec abondance. Merci Seigneur pour cette bénédiction abondante que nous recevons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous allons maintenant passer à la Sainte Cène. Et nous allons avant cela prendre une minute pour nous éprouver et demander pardon au Seigneur avant d'approcher sa table sainte pour communier avec lui. Seigneur, notre péché nous éloigne de ta face, Seigneur. Nos péchés nous cachent ta face, Seigneur. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, mais nous voulons nous confesser devant toi. Nous voulons nous repentir devant ta face, Seigneur. Purifie-nous de ton sang et restaure-nous, Père éternel. Donne-nous d'avoir accès à ta table pour pouvoir, Seigneur, nous laisser transformer et nettoyer par ton sang précieux donné pour nous sur la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné en ton nom. Merci, Seigneur, de nous avoir rendu plus blancs que la neige. Seigneur, tu es le pain vivant qui est descendu du ciel, et celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Merci Seigneur pour le pain de vie que tu nous donnes, qui est ta chair, que tu nous donnes sur la croix. Oui Seigneur, ceci représente ton sang qui a été donné pour nous sur la croix de Golgotha. Ton sang guérit, Seigneur. Ton sang bénit. Ton sang sauve. Ton sang sanctifie, Seigneur. Nous avons désespérément à ce moment besoin de ton sang précieux et de ta chair pour nous purifier,
pour nous guérir, pour nous préparer à la réussite et à la prospérité que tu nous donnes même dans ces moments de tribulation et de difficulté. Merci pour ton sang qui est un sang saint, qui devient en nous, Seigneur, une source de paix, de grâce, de bénédiction et tout l'héritage que tu nous donnes en ton nom. Nous allons maintenant tout de suite passer à la prière d'intercession avant notre bénédiction finale. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'écouter ta parole en nous connectant avec toi online dans notre culte de ce début d'année. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits, Seigneur, dont tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Seigneur, nous voulons venir devant toi avec un cœur de gratitude. Nous te prions non seulement de nous soutenir, mais ainsi que tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Seigneur, nous te prions particulièrement pour la transition politique américaine présidentielle qui aura lieu ce 20 janvier. Seigneur, nous te prions afin que les troubles puissent cesser dans le monde. Également au Cameroun, Seigneur, nous te prions pour qu'il y ait une transition politique qui permettra, Seigneur, à la population et aux nouvelles générations d'avoir encore un espoir. Seigneur, ce n'est que sur toi que nous pouvons compter. Nous te prions pour ceux qui sont malades et surtout pour ceux qui sont infectés de ce coronavirus, Seigneur, qui ne cesse de s'étendre, Seigneur. Nous te prions également pour ceux qui travaillent de près ou de loin pour faire stopper cette pandémie. Seigneur, apporte la guérison, apporte la paix, apporte la sécurité, apporte l'assurance, apporte l'amour dans les cœurs. Console ceux qui sont affligés, Seigneur, ceux qui sont éloignés, ceux qui se sentent seuls, Seigneur. Nous prions pour le racisme et l'injustice dans le monde. Nous prions pour que, Seigneur, les gens puissent recevoir le salut. Nous prions pour que les gens puissent te connaître. Seigneur, nous prions qu'en ce début d'année 2021, Seigneur, que tu apportes, Seigneur, l'assurance à tes enfants qui ont été beaucoup secoués durant l'année qui vient de s'écouler. Seigneur, en toi seul est notre espérance et notre réconfort. Viens, soutiens-nous et donne-nous ta grâce, ton guide et ta direction. Père éternel, nous allons rapidement, Seigneur, résumer toutes nos prières et nos supplications dans cette prière que tu nous as appris en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer à la bénédiction finale, mais avant cela, nous voulons souhaiter un très joyeux anniversaire à M. Achille Kamsu, à Solange Foseux, à Mélanie Kamsu, Briella Kamno qui célèbrent leurs anniversaires ce mois de janvier ainsi que tous ceux qui sont nés également en janvier. Nous prions pour que le Seigneur les bénisse spécialement et leur accorde longévité, santé, paix, grâce et amour. Qu'il leur accorde le désir de leur cœur pour leur anniversaire et place toujours ses anges autour d'eux pour les protéger et les bénir. Que son Esprit Saint les couronnes de sa présence et leur donne une double bénédiction en ce mois de janvier. Recevez tous la bénédiction de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Allez dans son amour, allez dans sa puissance.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Disons stop à la vente de nos terres. Jamais, jamais, ne cédons pas au chantage des belles paroles. L'héritage que nos ancêtres nous ont légué, c'est pas l'argent, les voitures, maisons pour assurer la survie de nos familles, c'est la forêt et la terre. Missy est bon, elle est baillon, c'est ma éhié. Missy Benonite, elle est baillon, c'est ma éhié. Basiana ton mambo manyoko na be cafe na biko kono ne umu so mo sanga ulia eye toya na ka obono no yo sumi se indanga abani sa sakonane non à la vente tete. Ni fala abanisa to yana ko bonanga e to bonanga salaba to ba munu moti batakaka obusi elevons nos voix chantons sur tous les toits. Sont nos terres.
peuple tout le temps, et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut tromper tout le peuple tout le temps. Oui au développement, non à l'exode rural. Diaspora Banen, chef traditionnel élite, fils et filles, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mon ami, mon amour. Non à la vente, c'était Banen. Peuple banen, tous nous sommes interpellés, soyons unis. Bonne année pour qui me partenaire, mon tâte motif, ce sont mes colloques, mon année foyer moi. Nous remercions le collectif des artistes banen et son président, Monsieur le Combilé Vincent Olivier, pour sa lutte acharnée pour le réveil de la culture banane.